Alors, du coup, bonjour Sarah. Donc, tu t'appelles Sarah Rosenblatt. Oui. Tu es agricultrice dans un groupement agricole d'exploitation en commun, donc le GAE du Talmat à Capellen, ça se prononce comme ça? Oui. Donc, c'est près de Capelle, oui. Mulhouse, Capellen. Donc, c'est près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, dans la région Grand Est. Donc, tu as 200 hectares d'exploitation. C'est Il ça. y a du maïs, du blé, des betteraves sucrières, des pâtures, et tu as à peu près 12 races de vaches, c'est ça? Oui. Soit plus de 200 bovins, c'est 200 ça? bovins en tout, oui. On a Ouais. aussi du colza en culture depuis cette année. D'accord. Et il y a la moitié des bovins qui sont en lactation, c'est ça? À peu près, oui, dans les fermes, quand on parle de bovins, il y a toujours environ la moitié qui sont en production actuellement. C'est-à-dire, on ne parle pas des taris ou des jeunes, quoi, qui sont. D'accord. Et tu fais aussi de la formation pour les jeunes? On a des stagiaires et des apprentis. Tout le temps, on accueille environ six stagiaires par an et on a toujours un ou deux apprentis. On accueille aussi les périscolaires, des visites d'école, que ce soit les écoles agricoles. Et cette année, on a fait ferme support pour tout ce qui est les concours de pointage, vu qu'ils doivent s'entraîner les jeunes, apprendre comment noter une vache. Pour s'entraîner au niveau régional et les deux premiers vont au niveau salon de l'agriculture au niveau national. Ok. Et je vois que tu proposes aussi des services en matière de moisson, semis, traitement phyto, bûcheronnage et terrassement, c'est ça? C'est ça, c'est le TA en fait, c'est une entreprise à côté. On est aussi tous associés dans la même entreprise vu qu'on a le matériel pour nous. On fait aussi les travaux pour les autres, étant donné qu'une moissebatte, c'est un demi-million d'euros. Chez nous, on a comme problématique, c'est beaucoup de double actifs, c'est-à-dire des petites exploitations qui travaillent en fait l'agriculteur. En parenthèse, c'est d'abord un salarié suisse, donc avec le salaire suisse, on est environ le SMIC est à 3 000 euros en Suisse, pour donner une idée. Et en fait, il a 10-20 hectares dont il ne sait pas quoi faire. Donc, lui, souvent, c'est au lieu de vendre ou quoi que ce soit, il demande à une entreprise de faire tous les travaux. Lui, il récupère juste à la fin le chèque de la vente de ce qu'il a produit et il paye tous les travaux comme ça. Donc, c'est 70% des agriculteurs dans le secteur, c'est ça. C'est des petites surfaces qui travaillent en Suisse et qui laissent faire aux entreprises tous les travaux. D'accord. Et parce que du coup, comme tu es à la frontière, ça s'explique. Ah oui, on est à 10 minutes de balle. D'accord. Et en plus, il y a une particularité dans ton exploitation parce que tu intègres des nouvelles technologies comme de la robotisation, de l'automatisation, notamment pour la traite. Donc, ton objectif en 2017, quand tu as commencé à mettre les robots, tu envisageais 9 000 litres de lait par vache et par an contre 6 000 litres sans robotisation, c'est ça? En fait, on était à 8 000 avant et au Oh lieu de oui. monter, on a plutôt descendu parce que pendant la même période, j'ai mis de la race Simmental. J'ai croisé quasiment tout en Simmental. Or, le Simmental, c'est une race mixte, viande et lait. Et le problème, c'est que ça baisse plutôt les moyennes. Donc, on est plutôt là à 7 000 avec les robots. Et vu que mon but, c'est pas de pousser, on va dire le robot, ce qui est bien, c'est qu'on peut pousser en granulé selon la production de chaque vache. Et le but chez nous, c'est de ne pas avoir des vaches à 10 000 parce qu'une vache à 10 000 est beaucoup plus fragile niveau santé. Elle est beaucoup moins fertile. Si elle tombe malade, c'est beaucoup plus rapide. Elle meurt beaucoup plus rapidement. Et le lait est de moins bonne qualité. Donc, au prix du lait, même si elle fait plus de lait, le prix de base au 1 000 litres est moins important. Ce qui fait qu'on a plutôt baissé le litrage, mais par contre, on a augmenté tout le reste. On a plus de taux, on a un meilleur prix du lait, on a plus de fertilité. C'est un équilibre et c'est ce qu'on a décidé de faire chez nous, quoi. C'est vraiment, D'accord. on n'est pas des grosses produ on n'a pas de grosses productrices et c'est mieux, on va dire. Je préfère freiner celles qui font trop de lait pour éviter justement tous les problèmes sanitaires. Et elles sont plus en forme, elles vieillissent mieux. On a des vieilles vaches, on va dire, on arrive à les faire tenir 10 ans, 12 ans. Alors que la moyenne nationale, c'est 5 ans. Ah oui, c'est quasiment le double, finalement. Voilà, on considère qu'après 2 lactations, une vache part à l'abattoir. C'est la moyenne nationale, 2. Nous, Vous, vous... on est plutôt
en lactation, si on considère qu'une lactation fait 305 jours, on serait plutôt à 4-5 lactations. Oui, donc sur le long terme, c'est mieux, c'est plus rentable. Et vu qu'on ne les pousse pas, on a plutôt des lactations longues, c'est-à-dire on parle souvent de 305 jours, c'est une lactation, c'est-à-dire un veau par an. Nous, on a plutôt des lactations de 420 jours. C'est-à-dire, elles ne font pas un veau par an. On préfère les faire durer en longueur, qu'elles fassent moins de veaux, parce que le pic de lactation, c'est 2 mois après vélage. Nous, on préfère que la lactation, c'est une courbe droite, plutôt qu'avoir une grosse bosse, et après, ça descend très vite, quoi. D'accord. Ce qui signifie que la robotisation, elle sert à améliorer finalement l'élevage sur le long terme. Quels sont les principaux atouts de la robotisation ? C'est les informations, en fait. La vache, chaque vache a... Jérôme. Chaque vache... il veut te dire un salut, coucou. Salut, Diane. Salut, Jérôme. Ça va ? Très bien, et toi ? Je te laisse à ton interview. Ouais, merci. Pour ta formation. Merci. Début de quand ? Début mai. Fin avril, début mai. Il est rentré tout le temps ? Comment ? C'est des rentrées continuelles ? Pour les personnes qui ont déjà un BTS, ils peuvent rentrer en cours d'année parce qu'on n'a pas les matières générales, du coup, on est dispensé. D'accord, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle va le faire comme toi en un an ? Ouais. Et donc, l'intérêt, c'est que chaque vache a un collier. Et dans ce collier, il y a un genre de podomètre. Il y a toutes les informations de la vache quand elle rumine. Ça permet de savoir comment elle bouge, quand elle va au robot, combien elle pèse, combien elle a le droit de granuler en rentrant au robot, combien elle doit potentiellement faire de litres par jour selon des courbes. Et c'est ça, en fait, on connaît beaucoup plus les vaches qu'avant. Une vache qui est malade, on le repère tout de suite. Hein. C'est très rapide. Et ça, c'est grâce aux ordinateurs qui détectent les... Comment ils font pour savoir que la vache est malade ? C'est le robot qui le dit ? Oui, parce que tu as des ruminations. Une vache, ça passe 90% de son temps à ruminer. Ça doit ruminer environ 740 ruminations par heure. En fait, ça mâchouille tout le temps vu que ça a 3 estomacs. Et quand elle rumine plus, c'est qu'il y a obligatoirement un problème. Et vu que c'est comme une centrale nucléaire, dès qu'il y a un des estomacs qui merde, ça fait des gaz, en fait, qui peut faire en sorte de tuer la vache en quelques jours. Quoi. Ah oui, en quelques jours, effectivement. Oui, ça peut aller très vite. Par exemple, les corps étrangers, si elles mangent de l'aluminium, parce que les canettes qui finissent broyées dans la faucheuse quand on fait le foin ou l'enrubaner, ces petites particules de canettes, ça tue. C'est la première cause de mortalité chez les bovins. Ah, d'accord. Parce que ça rentre dans un estomac. Vu que ça rumine, le but, c'est que l'air, chaque fois, revient dans la bouche, repart dans le deuxième estomac, revient dans la bouche, repart dans le troisième. Et chaque fois, ça lacère l'intérieur de l'estomac pendant tout le trajet. Et souvent, le petit bout de métal finit dans le cœur. Ah là là, ah oui. Donc, quelques heures après, la vache commence à cracher du sang. Et on met des aimants pour voir si c'est du métal comme un clou ou quoi que ce soit. Parce que les aimants, ça permet de ramener le métal, mais si c'est de l'aluminium, il n'y a rien à faire et tu as la vache qui fait un arrêt cardiaque ou qui finit lacérée de l'intérieur. Donc, première cause de mortalité chez les vaches, ingestion d'aluminium due aux personnes qui jettent des canettes dans les champs, c'est ça ? Oui, c'est les campagnes. Voilà. Okay. Donc on a parlé des robots. Est-ce qu'on peut dire qu'une telle diversification par rapport à vos activités et vos productions de services très diversifiées, couplée avec cette évolution vers la tech, permet de positionner ton entreprise parmi les plus innovantes est-ce qu'elle est prise en modèle ou est-ce que vous êtes souvent interviewé par d'autres agriculteurs qui veulent se lancer un peu dans la tech et dans une telle diversification ? Alors oui. On est souvent, quand il faut une ferme un peu, pas pilote, mais à interroger, on est déjà passé plusieurs fois sur TF1, par exemple. On fait aussi tout ce qui est les essais culture, c'est-à-dire que les semenciers du secteur, ou l'INRA, ou Arvalis, nous demandent, par exemple, de faire des essais de différentes variétés de maïs, ou de blé, ou de colza, ou d'orge même. Ils nous ont demandé, par exemple, est-ce que si on plante l'orge à telle période au lieu de telle période, quel est le rendement à la fin ? Donc, on fait tout le matériel et eux, ils viennent, ils vérifient comment ça pousse et tout. Et
ça devient des données nationales pour, par rapport au terrain ou quoi que ce soit. Je sais qu'on nous a aussi demandé par rapport des collègues qui voulaient savoir comment on faisait pour baisser le niveau d'étape, c'est-à-dire faire en sorte que les vaches produisent moins. Parce que le but, vu qu'on a enchaîné quand même 3 ans de crise laitière, actuellement, ceux qui étaient un peu limites, ils ont arrêté. Et ça continue. Là, il y a une hécatombe, surtout avec le prix des compléments là, qui a fait 300%, le GNR qui a fait aussi 300%, l'engrais qui augmente aussi. Actuellement, l'élevage est en train, dans notre secteur, de disparaître, c'est tout. Donc, on fait pas mal de trucs comme ça, quoi. D'accord. Des essais et de tests. Et du coup, donc là, on va parler un petit peu de toi, si tu es d'accord. D'accord. Je voulais savoir quel âge tu avais et puis en quelle année tu t'es 33. installé pour ta part. J'ai 33 ans. Après avoir fait un deuxième BTS en Bretagne et un an dans le cochon, j'ai travaillé en Bretagne. Je suis revenue en tant que salariée 3 années, d'abord sur la ferme. Et après, je me suis installée. On est maintenant 5 associés dessus, c'est-à-dire mes 2 parents, moi, un Jean-Luc qui est un ami de mon père, plus son fils Guillaume qui lui a 25 ans. On a également un salarié, Brian, qui était un ancien apprenti pendant 8 ans. Il était apprenti chez nous. On l'a eu à 14 ans. Maintenant, il en a beaucoup plus. Et on a un apprenti également. Donc au total, ça fait un peu une dizaine de personnes. On est 7 actuellement. 7 temps, quasi temps plein. Ouais. D'accord. Et par rapport aux conditions de ton installation, est-ce que il y a eu des difficultés, des désillusions ou au contraire des bonnes surprises, ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas? Ben, pour l'installation, non, parce que en fait, en tant que salarié, je faisais déjà, j'étais déjà traité comme un associé. Donc, ça changeait rien. J'ai juste eu plus d'argent à la fin de l'année. Voilà, il y avait d'autres avantages, comme les avantages en nature, voiture de fonction pour les associés, autoconsommation pour les bêtes, donc le congélé plein. Sinon, il n'y a pas eu trop des illusions, on va dire. De toute façon, pour l'installation, tout ce qui est papier, tu vas te faire chier, quoi. Les dossiers d'installation, c'est assez lourd. C'est assez surveillé, c'est suivi, c'est un peu chiant. Mais sinon, pour mon installation, non. On va dire, je fais mon boulot, je m'occupe de mon élevage et ceux à qui ça ne plaît pas dans mon GAEC, eh ben, qu'ils aillent se faire cuire un. Voilà, parce que je m'emmerde et je m'engueule assez avec un autre associé qui lui était plutôt l'ancienne génération, parce que si tu t'installes avec des personnes d'une autre génération, comme c'est le cas pour nous, Guillaume et moi, on est la nouvelle génération, mes parents et Jean-Luc, c'est l'ancienne, et eux, ils ont été éduqués dans, pour gagner de l'argent, il faut produire en litrage ou en quintaux, alors que maintenant, le prix du lait est tellement bas que à côté, c'est plutôt la baisse des charges qui fait en sorte que tu gagnes de l'argent, ou justement la qualité du lait qui fait que tu peux gagner 50 euros sur 1000 litres, par exemple, en plus. C'est plutôt comme ça, donc c'est plus la même mentalité. Et vu qu'il y a tout ce qui est, il faut maintenant avoir des cautions un peu écologiques, parce que sinon, dans les petits villages, tu te fais taper dessus, ou tu es une ferme-usine, ou des choses comme ça. Donc, faut pousser les bêtes, je pense, c'est plus ce qu'il faut faire absolument. Du coup, c'est les évolutions que tu as constatées depuis que tu t'es installé. Tu as remarqué qu'il y a eu enfin voilà, vous avez effectué ce genre d'évolution. Est-ce que vous êtes intervenu sur le GAEC, que ce soit des travaux spécifiques en termes de réinvestissement, des extensions, justement à Oui. la modification de vos activités depuis ça? Oui. Bah, à mon installation, c'est simple, soit je m'installais, soit on allait bazarder le troupeau. Parce que quand je suis venue, mes parents et Jean-Luc, ils sont pas trop éleveurs, on va dire, dans l'âme. Ce qui fait que y a des maladies, je ne sais pas si une mamite, par exemple, c'est une inflammation de la mamelle, qui fait que le lait il n'est pas consommable. Et donc, c'est par antibio que tu dois lutter contre ça. Et sur 80 bovins qui étaient à la traite, il y avait quasiment 2 à 3 mamites par semaine. Ce qui fait que niveau frais veto,
ils avaient pour 15 000 euros par an de frais vétérinaires, ce qui est énorme. Ils avaient aussi limite en arrêt de collecte parce qu'il y avait trop de cellules justement dans le lait, c'est-à-dire du lait de mauvaise qualité. Et quand je suis venue, j'ai dû faire d'abord un gros ménage. Je me suis dit, soit je reprends le troupeau, soit tout le troupeau allait à l'abattoir. Donc en venant déjà, on a changé tout le bâtiment. Pendant une année, les bêtes sont sorties. Le temps qu'on passe d'herbe paillée à logette, on a récupéré deux troupeaux de personnes qui arrêtaient, des collègues, pour un peu mettre de sang neuf, parce qu'il fallait faire le tri tellement il y avait des mauvaises vaches. À un moment, quand ils contaminent les autres, il fallait trier. Et on a installé les deux robots aussi pour l'installation. Du coup, ça a considérablement changé, que ce soit la rentabilité, la santé des animaux, le chiffre d'affaires Ouais, et et tout ça. surtout le bien-être, parce qu'avant, la traite, c'était 3 h matin, 3 h soir, et c'était physique, et c'était long. Et là, on va dire, le boulot, c'est 1 h, 1 h 30 matin, 1 h 30 soir à peu près, mais c'est beaucoup moins physique parce que c'est plus zen. On a un taxi-lait, par exemple, pour le lait. Avant, il fallait se promener avec des seaux qui faisaient 10 litres de lait dans chaque côté, monter des escaliers et tout. Là, maintenant, c'est une genre de. Comment dire? C'est un taxi-lait, c'est une genre de brouette automatisée, téléguidée, où on appuie sur un bouton et il sort tout seul. Il a 100 litres de lait et avec un petit pistolet, on met dans les seaux. Il n'y a plus rien à soulever, plus rien à porter. C'est beaucoup plus zen. Vous allez moins voir le kiné, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, là, on est en voilà, mi-2022 bientôt. Est-ce que ton rôle est fondamentalement différent, a beaucoup évolué dans le GAEC depuis que tu es arrivé, en fait, je veux dire, en termes de responsabilité, de prise de décision dans l'entreprise, tu vois? Ben, avant mon installation, déjà en tant que salarié, comme dit, je faisais déjà tout pour me préparer. C'était un genre de test. Pendant 3 ans, je prenais déjà tout le troupeau en main. Et c'est moi qui prenais toutes les décisions sur le troupeau. Et ça n'a pas changé. La différence, c'est que maintenant, en plus, je m'occupe des trucs chiants comme les dossiers, les virements, la banque, les trucs que personne ne veut faire, bien sûr, parce que ça, il y en a de plus en plus. C'est une montagne de papier, de trucs chiants. Ça t'a rajouté des petites heures Voilà, d'administratif. c'est ça. Et donc, du coup, les relations que tu as avec tes collaborateurs, qui fait quoi, combien, enfin voilà, par rapport aux personnes qui travaillent avec toi, au niveau de l'organigramme, ça n'a pas trop changé par rapport au début. Non, par rapport à avant mon installation, ça n'a pas changé. Moi, comme dit, je suis à l'élevage et les autres, ils sont plutôt dans les champs. D'accord. Ou faire des travaux de terrassement, parce que dans le secteur, vu que ça construit beaucoup, ils ont toujours besoin d'enlever la terre quand ils construisent et qu'ils creusent. Toute la terre part dans des tracteurs bennes. Donc parfois, il faut 20 tracteurs pour faire, par exemple, un grand centre commercial dans la ville à côté. Donc, il y a une grosse pelleteuse et tout le monde trouve un chauffeur avec une benne et ils sont à la queue leu-leu pour aller plus vite possible, quoi. Et donc, ça, c'est payé, mais alors, rubis sur l'ongle, on va dire. On est presque à 2 000 euros la journée pour faire ça. D'accord. Pour ta part, si par exemple demain je te dis, allez, je passe une journée avec toi pour découvrir ton quotidien, qu'est-ce qu'on fait du matin jusqu'au soir? Comment ça se passe ta journée? À quelle heure tu commences? À quelle heure tu finis? Alors déjà, je commence à 8 heures. Alors on se change déjà. Après, on va dans la salle PC pour voir quelles sont les vaches qui ne sont pas passées. Toutes les vaches qui, depuis 20 heures, ne sont pas allées se faire traire, et ben on va les récupérer. On va les mettre dans une aire d'attente qui les oblige un petit peu. Si elles veulent aller faire autre chose de leur vie, ils vont devoir passer au robot de base. Donc on va chercher donc ces vaches. On va vérifier s'il y a des vaches ou des génisses en chaleur. Si c'est le cas, on va appeler l'inséminateur et on va sélectionner le taureau qui ira sur la vache en chaleur. Parce que vu qu'il y a beaucoup de croisements, chaque vache a son taureau qu'il faudra trouver selon ses atouts et ses défauts. On donnera à manger au veau. On vérifiera que tout le monde va bien. S'il y a des traitements, ben on regarde s'il y a des choses à faire ou quoi que ce soit. Et ça, le temps qu'on ait, on racle les logettes, on donne le foin aussi. Tant qu'on a fait tout ça, il doit être 9 h 30. Et après, on va commencer à préparer les mélangeuses pour les génisses et pour les vaches. Ça dépend quel jour on est.
Donc là, c'est surtout du tracteur, mais la mélangeuse pour les vaches, tous les jours, il faut préparer environ 5 tonnes d'aliments dans un genre de gros thermomix géant, mais qui ne chauffe pas. Il y a une vis au milieu qui tourne et qui touille. Et donc, tout vient quasiment de la ferme. Donc, c'est du foin, des ensilages, que ce soit maïs ou herbe, des pulpes de betterave. Qu'on fournit Erstein, on a le droit de récupérer ce qui reste une fois qu'ils ont enlevé le sucre. Et on donne, comme dit, à manger aux jeunes et à celles qui sont en lactation. Voilà. Il est midi, donc de midi à 14h, c'est pause. Et l'après-midi, ben, soit il y a une deuxième. Donc, aura bouffé que je n'ai pas réussi à faire le matin, je fais ça l'après-midi, ou je fais de la paperasse, ou je fais un peu de nettoyage. Et à environ à 4h30, on recommence la même chose que le matin. On vérifie celles qui ont dépassé les 20h ou 20 litres. On les rentre au robot, on fait des veaux. Comme... Et normalement, si tout se passe bien, entre 6h, 6h30, c'est fini. Bon. Et ça fait quand même des grosses journées, hein, finalement. Oui, et encore, ça va. Avant, on commençait à 7h et on finissait à 7h30 avant le robot. Donc, tu as gagné 2 heures en De moins temps. de travail par jour. Oui, finalement, sur la semaine et sur l'année, ça fait pas mal. Oui, c'est sympa. Alors, donc, y en a peut-être qui ne savent pas ce que ça veut dire GAEC. Donc, c'est un groupement agricole d'exploitation en commun. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'avantage d'un GAEC par rapport à d'autres formes juridiques? Quelles sont les spécificités de ce groupement? Alors, le GAEC, ce qui est bien, c'est qu'on parle de la transparence des GAEC. Vu qu'un GAEC, c'est un regroupement d'exploitation, on considère que chaque associé est un éleveur. C'est-à-dire que pour la PAC, par exemple, il y a des maximums. Par exemple, les aides aux bovins, c'est 50 bovins qui ont le droit d'avoir une prime par exploitant. Dans un GAEC, vu qu'on est 5 associés, c'est 5 fois 50. Bon, ça fait plus de bêtes qu'on en a, mais on pourrait avoir 250 bêtes primées. Alors que pour une SCEA, c'est même s'il y a plusieurs associés, on considère que c'est une entreprise, donc c'est une fois. Alors que le GAEC, voilà, c'est le nombre d'associés qui compte. C'est ça surtout l'intérêt des GAEC, c'est que justement, un associé, c'est considéré comme une bébé exploitation, quoi. Les regroupent tous sous le même nom. C'est pour ça que beaucoup de SCEA, avant, sont passés en GAEC maintenant, parce qu'avant, on ne pouvait pas être un GAEC entre époux. On va dire, ça, c'était pas autorisé que y a les deux associés, s'ils sont mariés, et ben, interdiction d'avoir un GAEC. Or, ça a sauté il y a 2 ou 3 ans. Donc, tous ceux qui étaient en SCEA parce qu'ils étaient mariés, et ben, ils sont passés en GAEC deux associés. D'accord. Et du coup, comment, enfin, je sais que tu l'as un petit peu dit au début, mais comment se découpe la répartition du chiffre d'affaires, enfin, on va dire grosso modo en pourcentage, hein, sur l'ensemble des différentes cultures que vous avez, comment vous faites pour définir qu'est-ce qui va dans quoi? Alors, en fait, c'est un tiers, un tiers, un tiers, à peu près. C'est-à-dire, il y a un tiers, ça vient des vaches, un tiers vient des cultures et un tiers vient de l'ETA. Ah oui, Parce c'est parfaitement qu'on a équilibré. aussi des photovoltaïques, mais c'est encore une autre entreprise. D'accord. Est-ce que vous avez un objectif ou une prochaine étape sur un pôle en particulier, on va dire d'amélioration ou de... Étant donné que dans moins de 10 ans, il y a 3 associés sur 5 qui disparaissent, qui partent à la retraite, donc là, on est dans l'optique de renouvellement des générations. Or, dans notre secteur, trouver des salariés qui acceptent de travailler, même si ça serait 2 000 euros pour un 35 heures, quand on sait qu'il y a la Suisse, pour le même boulot, tu fais le salaire fois 2 ou fois 3, les jeunes, ils restent pas en Alsace. Donc, ils traversent la frontière, ils ne s'emmerdent pas. Ils ont raison d'une certaine manière. Donc là, on est plutôt en train de rechercher qui va remplacer les associés qui partent. Et vu qu'on sera sûrement moins nombreux, là, on est sûrement le plus nombreux possible, mais il y aura des choses qu'il faudra soit modifier, soit abandonner quand on sera plus que 2 ou 3. Là, on est à 7. Donc, est-ce qu'on sacrifiera faire un peu de terre? Est-ce qu'on changera les cultures? Parce qu'il y a une entreprise qui va s'implanter dans le sud de Mulhouse, dans notre secteur, qui a besoin de 1 000 hectares de sylphie ou de miscanthus, je ne sais pas lequel, mais c'est assez innovant. Ça va être la première entreprise d'Europe, d'usine à ce niveau,
qui va fabriquer du plastique biodégradable. C'est des Allemands qui s'installent et ils s'installent de notre côté parce que justement, on aurait les surfaces pour par rapport à l'Allemagne. On aurait les terres pour. Donc, par exemple, s'ils veulent 1000 hectares, nous, si on mettrait déjà la moitié de la surface dans cette culture, en sachant que c'est comme des roseaux géants, on le sème une fois, ça pousse et on n'y touche plus pendant 10 ans. On ne n'irrigue pas, on ne traite pas, on fait juste, on coupe deux fois dans l'année et c'est fini. On n'a pas de boulot. Alors, si sur la moitié de la culture, on n'aurait pas du tout de boulot, ça simplifierait quand même vachement déjà si on est moins nombreux. Donc, c'est des choses à imaginer pour le futur. Oui. Envisager. Est-ce que vous avez des aides, que ce soit de l'État ou de privé, ou est-ce que vous avez des subventions La PAC. D'accord. Okay. C'est la seule aide, parce que vu qu'on n'est pas en bio, actuellement, si tu ne fais pas du bio, tu n'as pas d'aide. Je comprends. Ouais. Et ce n'est pas avantageux pour vous de passer en bio, ou est-ce que c'est envisageable? On pourrait le faire parce qu'on fait déjà, on a ce qu'il faut pour passer en bio et on traite, on va dire, on nourrit, on traite pas ce qui rentre dans la consommation des bovins, on ne donne pas les antibiotiques non plus. Donc, on est déjà dans les classifications bio quasiment, mais c'est pas intéressant économiquement. Et vu actuellement le prix du lait, je gagne, mon prix du lait est plus élevé qu'un bio. Actuellement, je gagne au millilitre plus d'argent que quelqu'un qui vend son lait en bio. Parce que vu qu'il y a trop dans le marché et saturé, ils ne savent plus quoi en faire du lait bio. Ça ne convient plus et vu que ça coûte plus cher à produire, actuellement, il y a beaucoup qui sont en bio qui repassent en conventionnel. Et du coup, comment se passent tes relations avec les autres agriculteurs de la région? Enfin, je parle du côté France en tout cas. Est-ce qu'il y a de la concurrence ou plutôt de l'entraide? Comment vous... Et nous, c'est de l'entraide parce qu'on est trop peu nombreux pour avoir de la concurrence. Moi, je suis élue chambre d'agriculture Alsace et je suis présidente de l'ADAR du Sungo. C'est-à-dire tout le sud Sungo, c'est une genre de bébé chambre d'agriculture, ce qui fait que tous les sujets, je dois me positionner, que ce soit les problèmes de bon voisinage, de traitement. Là, actuellement, le gros dossier, c'est les captages d'eau avec les problèmes de zones de captage, protection, Natura 2000. Il y a pas mal de boulot. Mais chez nous, c'est plutôt de l'entraide parce que dans notre secteur, comme dit, il y a peu d'entreprises et il n'y a plus d'agriculteurs parce que tout s'est fait bouffer par les communes qui ont augmenté parce que, on va dire, dans nos villages, les Suisses viennent habiter parce qu'on est quand même trois fois moins cher le prix du terrain. Et trois fois, même si on est une des régions les plus chères après Île-de-France, on reste encore deux à trois fois moins cher que chez les Suisses. Là-bas, la maison, elle est à 1 million. Bah. Et tous les 100 ans, tu peux repayer parce qu'elle ne t'appartient pas. Ah, tous les 100 ans, tu remets un petit million d'euros. Voilà. C'est sympa. Vous ne faites pas de vente directe de produits? Si, ça si, aussi, si. De la viande. Parce que toutes les femelles croisées viande, on les garde et on fait de la barquette. On les vend en soit 10 kilos de viande, soit 5 kilos de viande noble, soit on fait aussi des merguez, salami, fleischnacka et gendarme. Et du coup, quels sont les types de relations que vous avez avec vos clients? Est-ce qu'ils ont des exigences qui ont changé depuis... est-ce que tu as remarqué des exigences qui ont évolué avec les années ou est-ce que c'est toujours pareil? Alors, avant, c'est vrai qu'on faisait que des barquettes en 10 kilos. Quand je suis arrivée, on avait beaucoup de jeunes qui voulaient plus, parce que dans les 10 kilos, c'est des morceaux nobles et des morceaux non nobles. C'est-à-dire qu'il y a des ragoûts, des pot-au-feu, des bourguignons. Et les personnes, on voit qu'ils ne veulent plus cuisiner des gros morceaux comme ça. Alors, on a inventé les 5 kilos morceaux nobles. Donc, c'est le double du prix de la grande. Mais celle-ci, elle s'arrache, c'est simple. Tout le monde la veut parce que dedans, il n'y a que filet, faux filet, côte, entrecôte et steak. Que des morceaux faciles à faire, très qualitatifs. Et donc, ça s'arrache. Voilà. Et on s'est lancé dans les steaks hachés, ça marche bien aussi. Mais depuis environ 6 mois, ça, c'est un truc qu'on a remarqué tous les éleveurs, parce qu'on fait tous un peu ça dans le secteur. Depuis 6 mois environ, il y a les personnes qui n'achètent plus du tout. Alors que nous, on n'a pas augmenté nos prix avec l'inflation ou quoi que ce soit, mais on voit que les personnes n'ont peut-être plus les moyens, et encore en Suisse, hein,
n'ont plus les moyens d'acheter autant. Et tous ceux qui faisaient de la vente directe comme ça à la ferme, on voit que y a une baisse de chiffre d'affaires. Tu penses que c'est parce que les gens ils mangent de moins en moins de viande et ou de moins en moins de matière animale, ou est-ce que c'est d'autres paramètres? Non, je pense plutôt c'est soit ils veulent plus s'emmerder à venir, ou soit c'est peut-être le côté financier. Avec l'inflation, ils avaient peut-être peur en disant tant tout va augmenter et tout, donc ils prennent moins de viande. Même si c'est quand même si on le vend 14 euros kilo pour les 10 kilos, 10 euros pour les 10 kilos, et les barquettes 5 kilos qui eux par contre ça part, on les vend à 23 euros kilo. On est à 100 euros la barquette. Et pour les steaks hachés, c'est 14 euros kilo. C'est-à-dire 14 euros les 8 steaks hachés. Et donc, avec le nombre d'années que tu as passées en tant qu'agricultrice, aujourd'hui, si on te demande qu'est-ce que tu préfères dans ton travail, qu'est-ce que tu réponds? Les vêlages, Alors, les naissances. les naissances, ça, oui. Les vêlages. Et à l'inverse, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans ton métier? J'hésite entre me prendre le chou avec mon père ou abattre une bête. Ah oui. Je vais prendre abattre une bête. C'est-à-dire pas l'envoyer à l'abattage, hein, l'abattre sur place. Ah oui. Ah ben c'est sûr que c'est le Oui. contraire de donner naissance. Là, c'est Voilà. entre la Voilà, vie et et la mort. ça, mais ça, faut le faire aussi. Et vu qu'on a le matériel, c'est nous qui, plutôt, parce que le matador, c'est le pistolet d'abattoir qu'on a récupéré. On a une petite mallette, ce qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui les ont. Donc, j'ai des agriculteurs qui viennent et qui me demandent d'emprunter la mallette ou que moi, je vienne le faire, quoi. Ah oui, donc tu vas faire ceux des voisins s'ils Aussi, ne quand peuvent ils pas en ont venir. pas. D'accord. Et du coup, Oui. donc toi, tu es une femme agricultrice, je donne la précision parce que le rapport à l'agriculture pour une femme, est-ce que tu penses qu'il est différent par rapport à un homme? Est-ce qu'on peut dire que l'environnement dans lequel tu travailles, il est difficile ou est-ce que c'est un préjugé? Je pense pas que c'est obligatoirement un préjugé parce que déjà, tous ceux qui viennent, c'est où est le patron? Ils me demandent. Ce qui fait que moi, je les envoie chez mon père parce que vu que ça m'empêchait de m'occuper des commerciaux, je n'ai pas que ça à foutre, donc je les envoie chez les autres, hein, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est moins dur qu'à l'époque parce que c'est beaucoup moins physique. Là, actuellement, on a autant de stagiaires filles que de stagiaires garçons. C'est bien, c'est moins problématique. Après, je pense que les femmes sont peut-être plus présentes dans tout ce qui est soit maraîchage, vente directe ou élevage. Parce que les hommes, je ne sais pas si c'est l'instinct maternel ou quoi que ce soit, mais il y a des choses qu'ils voient moins, tout simplement. Des petits détails ou des trucs comme ça qui, peut-être dans l'élevage, j'ai l'impression qu'ils ne le voient pas, tout simplement. Ah, tu veux dire que pour s'occuper des animaux, l'instinct maternel humain sert. Ben, on va dire, moi j'ai travaillé un an en porcherie et ils disaient en maternité, là où les porcelets naissent, ils veulent que des femmes. Ah, En d'accord. Bretagne, ils ne cherchent en maternité, ceux qui travaillent en maternité, c'est des femmes. Parce que justement, les femmes s'en occupent mieux des petits. Tout D'accord. simplement, voilà. Donc souvent, les femmes s'occupent de l'élevage et les hommes restent dans les tracteurs. Et niveau salariat, je pense que les femmes s'en occupent mieux aussi. On a peut-être plus d'empathie avec les salariés parce que, on va dire, j'ai vu comment les salariés ou les apprentis étaient traités avant que je vienne. Je me suis dit, ouais, bon, on va un peu changer, on va rendre les choses plus humaines. Parce que on va pas dire que c'était de l'esclavage, mais voilà, c'était pas. Je vois, je vois. Là, j'étais en train de regarder mes questions qui me restent. Il en reste trois petites. J'allais te demander les objectifs futurs, mais je crois que tu as répondu un petit peu avant. Tu parlais effectivement que les personnes partent à la retraite. Donc là, il va falloir commencer à renouveler les équipes. Comment C'est tu fais ça. pour attirer les prochaines recrues? Je prends Guillaume et je le mets en slip sur YouTube. Non, Les non, réseaux il n'est pas. sociaux en force. Non, non, il n'est pas assez beau pour ça. Non, non, en fait, la seule manière qu'on peut recruter, en fait, c'est dans les apprentis et les stagiaires qui viennent chez nous.
tous les stagiaires, tous les apprentis qu'on a eus, quasiment, ils ont fait des années de salariat chez nous, quasiment. Brian, comme dit, il a enchaîné 7 ans d'apprentissage et maintenant, ça fait 2 ans qu'il est salarié. Bon, on sait qu'il partira en Suisse dès qu'il peut. Ah oui, donc en fait, vous avez du turnover, enfin, les gens, vous avez de la rotation à cause des salaires en Suisse. Ouais. Voilà, on sait que les salariés, ça va être très dur à garder parce que, comme dit, à 10 minutes, il y a la Suisse. Ah oui. Tout simplement. Donc, la seule manière, c'est d'avoir un apprenti, mais qui a envie de s'installer. Là, notre apprenti, c'est Quentin. Quentin, on sait qu'il a fini son examen fin d'année. On lui a déjà demandé s'il comptait aussi aller en Suisse. Il a dit non, la Suisse, il y a des choses bien, mais il y a des choses moins bien. Donc, on sait déjà qu'on va l'embaucher et qu'à terme, il a assez dans le crâne pour devenir associé. Donc, il est possible que quand mon père partira dans 3 ans, les parts de mon père, avec de la chance, c'est Quentin qui les reprendra. D'accord. Et c'est OK. comme ça que le turnover va se faire. C'est trouver des stagiaires qui finissent apprentis et qui, à la fin, finissent salariés ou associés. La seule manière de voir aussi, parce que des personnes qui viennent la fleur au fusil, on a déjà vu tout, hein, qui, pour mettre 3 clous dans une planche, ils ont mis 1 heure. Voilà. Donc, c'est mieux pour tout le monde que d'abord passer par un apprentissage parce que tu vois ce que la personne vaut si elle est motivée. Et du coup, je sais pas, dans 40 ans ou dans 100 ans, pour toi, l'agriculture, c'est quoi en fait? Comment tu le définis? Est-ce que la définition change pour toi? Ah oui, mais déjà, on verra s'il y a encore une agriculture dans 30 ans. Déjà, parce qu'avec tout ce qui est viande en laboratoire, et des cultures dans des immeubles, dans du coton, on verra ce que. Si on veut encore des agriculteurs, vu qu'on est des gros pollueurs qui maltraitent nos animaux, n'oublions pas ça. Hein. Donc, on verra, parce qu'actuellement, attirer des jeunes, leur dire tu vas travailler tous les jours, sans vacances, sans week-end quasiment, à part si t'es en GAEC, parce que c'est ça le but du GAEC aussi, c'est d'avoir des week-ends et des vacances. Mais dire, tu travailleras 70 heures par semaine, tu auras peut-être le SMIC, parce qu'actuellement, n'oublions pas qu'un tiers des agriculteurs ont moins de 300 euros par mois. Un tiers. Là, on va dire, on a perdu en 10 ans un quart des fermes qui ont disparu. Des Donc dans le fermes. futur, mieux vaut être groupé, quoi. Ah, de toute façon, il n'y aura pas le choix. Je pense, ceux qui sont seuls, mon collègue à Brinkheim, qui est le village d'à côté, ils ont eu le premier week-end depuis 10 ans. Ils ont pu aller en week-end avec le gamin. Ça fait 10 ans qu'ils avaient enchaîné non-stop parce qu'ils sont à deux, c'est un couple, sur la ferme, et ils étaient au bord du gouffre, quoi, parce que toujours le nez dans le guidon, jamais s'arrêter. Là, tout le monde s'est mis ensemble pour trouver une personne qui les remplace pendant un week-end. C'était la première fois pendant. Et donc deux, même en couple, avec la force de l'amour, ça ne suffit plus. Non, bah, le suicide agricole, c'est la première cause de mortalité. Après, on parle de plus de 600 personnes qui se ferment tous les ans. Hein. Non, mais c'est un vrai sujet. Donc là, le conseil, c'est se mettre en groupe, ne pas s'installer tout seul. Non. Non, non, jamais tout seul. Non, il faut toujours. Déjà, si t'arrive quoi que ce soit, si t'es malade, si t'as un accident, t'as toujours quelqu'un, tu peux en discuter. C'est pour le travail, ça permet de déléguer, d'avoir. Il faut toujours être à plusieurs. Parce que ceux qui sont seuls, souvent, ils se font submerger, ils peuvent en parler à personne et à la fin, ils finissent au bout d'une corde. C'est pour ça, tous ceux qui sont dans notre secteur, c'est tous des GAEC quasiment. Des frères, des cousins, des amis, mais tout le monde est quasiment. Il n'y a personne chez nous qui est seul sur une ferme. Deux, c'est le strict minimum et c'est souvent des couples. Et sinon, après, c'est plus nombreux, quoi. D'ailleurs, en parlant de couple, ta vie de famille, ça se passe comment, sachant que tu as eu un bébé il n'y a pas longtemps? J'ai recommencé à travailler, il y en a un qui n'était pas content. Ah, parce que tu as commencé à travailler avant la fin des congés maternité? N'y a pas de congé maternité en Ah agriculture. oui, pardon. Autant pour moi. Voilà, il n'y a pas de congé materne. Il y a, je vous dis, c'est. La vie de famille, nous, on a de la chance. Comme dit, on est en GAEC. Ça fait que j'ai un dimanche sur deux de libre et 3 semaines de vacances par an. En sachant que quand les vieux seront partis, j'espère augmenter le nombre
d'avoir le samedi, dimanche, pas que le dimanche, et d'avoir peut-être une semaine en plus de vacances. Il faudra que je m'organise. Guillaume est d'accord avec ça aussi. Mais bon, c'est les vieux qui freinent. Déjà, quand je suis venue, il n'y avait que 2 semaines de vacances. Et il n'y avait même pas une pause de 2 heures. C'était une pause d'1 heure entre midi et deux. Merde, quoi. Donc, les jeunes améliorent le bien-être humain et animal depuis que tu es Voilà. arrivée. Un peu plus de vacances, un peu plus de répit. Mais en fait, ça vient surtout parce qu'avant, l'agriculture, c'était toujours une histoire de couple. Il y a 40 ans, les agriculteurs d'il y a 40 ans, la personne qui, leur femme, ils épousaient une agricultrice ou quelqu'un qui devenait agricultrice par la force des choses. C'est ce qui arrivait à ma mère. Mère était horticultrice et elle est devenue agricultrice parce que elle a épousé mon père qui avait une ferme. Là, actuellement, chez nous, il y a toujours un agriculteur et un tiers dans le couple. Quelqu'un qui ramène un vrai revenu au cas où s'il se passe quoi que ce soit sur la ferme, c'est aussi une manière de sécuriser le futur. Et ce qui fait que le fait qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas agriculteur, il faut alors avoir des week-ends, il faut avoir des vacances, parce que sinon ça ne tient pas. Et pour conclure cette interview, quel conseil tu donnerais à un groupe d'amis qui ont envie de s'installer, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, qui hésitent, qui ont peur? Déjà de faire des stages ou d'aller voir différentes sortes de systèmes, parce qu'il n'y a pas un seul système, il y en a plein. Et selon l'endroit où ils veulent s'installer, le terrain est différent. Toutes les céréales ou toutes les cultures ne vont pas n'importe où en France, comme les vaches ou l'élevage, que ce soit moutons, chèvres, poissons, escargots, parce qu'il y a tout, hein. Il faut vraiment voir ce qui se fait dans le secteur qui a été visé, parce que ce qui va vraiment définir ta culture et ton exploitation, c'est le milieu où tu vas l'implanter. Par exemple, faire du cochon en Bretagne, ils sont déjà tellement saturés que tu vas te faire accueillir avec un fusil de chasse. Alors que faire du cochon en plein air de notre secteur, vu que tu as, on va dire, plein de personnes qui ont plein de pognon parce qu'ils sont en Suisse, ils peuvent te payer ton cochon en plein air, ils sont prêts à l'acheter. Alors qu'au plein milieu de la Creuse où tu as un taux de chômage qui frôle les cacahuètes, c'est peut-être moins intéressant de faire du bio qui coûte cher à produire parce que les personnes n'auront pas le moyen de l'acheter. Donc, il Et faut produire après, en fonction de sa clientèle potentielle, quoi. voilà, de ton. Et comme dit, après le terrain, si tu es sur du sable ou du caillou, comme dans certains trucs de France, tu ne peux pas t'amuser à faire des cultures qui demandent un peu plus d'eau, parce que ton sol caillouteux, il va pas retenir l'eau. Tu peux faire de la vigne qui a besoin d'être en détresse et qui a besoin d'être assoiffée, mais tu pourras difficilement faire d'autres, comme du maraîchage, qui a lui besoin des sols riches, par exemple. D'accord. Bah, je pense Donc, qu'avec tu tout vois. ça, on a tout ce qu'il faut pour ne pas se planter. Enfin, en tout cas, grâce à ce type de conseil, on évitera certains écueils. Après, il y a la chambre d'agriculture de chaque département qui est là pour aider aussi, qui a les études de marché déjà, tout, qui voit s'il y a des terres disponibles, parce que c'est souvent ça le problème, et toujours voir ce qui se fait un peu dans le secteur et ce qui est possible de faire avant de se lancer dans des. Et surtout, pas trop investir au début, parce que souvent, certains veulent refaire le monde, font des grands bâtiments, et font des choses énormes. Et on va dire les premières années, souvent ça marche pas trop, donc ils foncent pied dans l'eau, quoi, ils se font avoir. Donc la priorité, c'est investir dans son outil de travail pour pouvoir réinjecter rapidement du capital et non pas se faire un énorme bâti ou acheter trop de terrain d'un coup. Voilà, et plutôt, voilà, c'est faut pas voir trop grand au début, faut vraiment voir. Après, comme dit, l'agriculture selon les régions, c'est tellement diversité et variée. Par exemple, le pâturage pour des élevages bovins se fait beaucoup en Bretagne parce que tout simplement, il pleut tout le temps, donc il y a tout le temps de l'herbe. Chez nous, on ne peut pas les mettre en pâture parce qu'il n'y a pas d'herbe qui pousse seulement 2 mois dans l'année. Parce que ça peut être gelé jusqu'en mai. En juin, juillet, il commence les sécheresses avec 30 degrés, donc l'herbe ne pousse plus. Jusqu'en septembre. Septembre, on a peut-être septembre où il y a un peu d'herbe, mais étant donné qu'elle a cramé en juin, juillet, août, elle ne pousse pas le temps qu'elle se refasse. Et en octobre, novembre, il peut nouveau faire des négatifs, donc ça ne pousse pas non plus.
Ah ouais, donc vous avez des gros écarts de température. Ah, on peut aller de 35 à moins 40. Hein. Moins 40? On a eu du moins 37 il y a 5 ans. Ah ouais. Ah ouais, Ouais, tu m'étonnes qu'il y en a qui regardent la pluviométrie et le climat avant de s'installer maintenant. Ils oui, font c'est ça. gaffe. Ok. C'est ça. Bon, bah du Donc, coup. c'est des choses qu'il faut voir. Il y a des choses qui sont possibles dans certaines régions et pas d'autres. Ça dépend vraiment de la nature du climat et du sol. Et c'est d'abord sur ça qu'il faudra voir disponibilité aussi de l'eau. Si tu as des rivières dans le secteur, si tu as le droit de pomper ou d'irriguer, tout simplement, ou si c'est niette. Du coup, ce que tu nous conseilles plutôt de reprendre finalement une exploitation qui existait déjà parce qu'au moins il avait tout, quoi. Ben, en fait, actuellement, c'est tellement compliqué de créer une exploitation que tu ne peux plus le faire. Actuellement, quelqu'un chez nous se dirait, je vais créer un bâtiment pour mettre des vaches ou un élevage, il ne le ferait plus. C'est impossible. Parce qu'entre les associations écologistes qui vont te dire ferme usine ou quoi que ce soit, les choses bien-être animal, interdiction d'être trop près ou trop loin de telle maison, de tel bâtiment, il faut que tu fasses que tu retrouves pour les effluents d'élevage, tu montes des dossiers. C'est tellement compliqué que tu peux plus construire. On considère que Oui, tu à moins de faire une petite ferme paysanne pédagogique, quoi. Même Ah ouais? actuellement, sud de Paris, il y en a un qui voulait s'installer en bio avec 20 pinoirs, qui est une race en voie d'extinction bretonne, des bretonnes pinois. Et c'était Lepage, Corinne Lepage, qui est une de ses amies qui était dans le quartier à plus de 200 mètres. Ça fait pendant 5 ans, ils l'ont emmené au tribunal pour faire annuler le permis, pour que le gars ait pas le droit de s'installer. Pour 20 vaches en bio, en vente directe, quoi. C'est des vaches qui Ah font 10 par jour. ouais. Ouais, donc des petits problèmes politiques, quoi. Voilà, et ça, c'est fini. Dès que tu veux faire quoi que ce soit, là, on en a qui veulent installer, tu vois, au lieu d'envoyer les veaux mâles en Espagne, ils se sont dit, on se regroupe tous dans le secteur et on les engraisse tous sous un bâtiment. On regroupe tous nos veaux sous un bâtiment et on le vend en local aux grandes surfaces de la région. Donc, ça représente 500 veaux par an. Ça peut paraître gros, mais on va dire si tu as une dizaine, ça fait 50 veaux par élevage que tu mets dessus, réparti dans toute l'année. Donc du veau de lait, c'est 4 mois, 5 mois que ça reste. Et résultat, ça fait 3 ans que ça dure parce que pétition sur pétition, les personnes viennent démonter des choses pendant la construction du bâtiment, c'est le permis, tout le monde l'attaque juste pour faire traîner les choses. Tu peux pas faire de nouvelles fermes. Tu rachètes au moins un bâtiment qui existe, même s'il n'est plus en état, il ne fonctionne plus. C'est-à-dire que le gars, il a arrêté il y a des années, mais le bâtiment et le corps de ferme, il vaut mieux acheter parce que sinon, tu pars pour être devant les tribunaux à une rapidité, vitesse grand V, quoi. Ah, il vaut mieux acheter une exploitation plutôt que louer avec un bail rural? On va dire si tu veux t'installer. La location, le problème, c'est que s'il y a un membre de la famille du gars qui te loue, il peut le reprendre quand il veut quasiment. À part si tu fais un bail sur avis, on appelle ça un bail de carrière, c'est-à-dire pendant la durée de ta carrière. Mais il vaut mieux que ce soit toi parce qu'un bail, c'est dès que tu vas vouloir changer quelque chose. Il faudra que tu demandes des autorisations. Si tu veux changer la nature, il faudra des autorisations. Si tu veux passer à du bio, il te faut une autorisation. Si c'est en bio et que tu veux passer en conventionnel, il te faudra aussi une autorisation. Et il vaut mieux que le corps de ferme t'appartienne à toi et qu'à la fin, tu le revendes aussi. D'accord. Personne, ils ne sont plus à louer. Quand D'accord. ils arrivent à la retraite, ils vendent le tout. Ils vendent. Mieux vaut Soit acheter tu un trouves quelqu'un qui. retraité, quoi. Voilà, mais c'est ça. Et souvent, le plus facile, c'est que des repreneurs, il y en a plein, tu rentres en tant que salarié ou associé dans un GAEC, comme dit, tout le monde cherche des associés dans toute la France. On est tous regroupés, les éleveurs, on est tous regroupés dans un groupe Facebook. On est 33 000, justement, sur les producteurs de lait. Et la moitié des posts, c'est
cherche salarié, cherche associé, cherche repreneur. Et le réseau, il est surtout sur Facebook alors? Bah, actuellement, ouais, on s'aide beaucoup sur Facebook. Ouais, Hein. pas trop Il y a des... LinkedIn, pas trop les Non, autres pas du... réseaux. Ah. Non, Facebook, avec... on reste facile, tu vois. Donc, et ça permet de poser des questions, on s'échange des astuces, que ce soit pour du privé ou pour du professionnel. Si, par exemple, tout, nous, nos dernières vacances, je les ai trouvées sur ce site. Parce qu'on a fait une ferme au bison en Lorraine. On voulait chercher quelque chose et sûrement la prochaine fois, ce sera une ferme un gîte à la ferme qui fait des cochons noirs de Gascogne, quoi. Ouais. Donc C'est du coup. moins cher, c'est sympa et ça, c'est avec un collègue, on peut discuter, quoi, échanger des choses. Ah, donc quand on est agriculteur, on a des bons plans vacances, quoi, avec d'autres agriculteurs. Ben, écoute, on a eu là pour la semaine dans un genre de chalet canadien où on aurait pu être à 7 dedans. Parce qu'il y avait cette place, j'ai payé ça la semaine 300 euros ou 400 euros. Avec Normalement, plein de c'est ventes. combien? Bon, les gîtes, on va dire, si tu es dans le sud ou en Bretagne, tu es plutôt vers les 600-700 pour la semaine. Ah Comme dit, c'est ouais, comme un mobil-home, mais tu es en pleine nature, tu es à côté des bisons et tu pouvais t'amuser et tu pouvais te promener. C'était vraiment sympa parce qu'il y avait plein de promenades à faire dans le secteur. ah ouais, ok. Bon, bah, c'est bien ce réseau d'entraide. Bah, c'est tout un pan de l'univers que je découvre, enfin, que Non, je vais mais en fait, découvrir. on dit toujours, les vieux agriculteurs, c'est vrai qu'il y avait une manière de... on tue le voisin pour récupérer ses terres. Surtout en Bretagne, parce qu'en Bretagne, ils sont très indépendants. C'est-à-dire que tu as un agriculteur, il a deux enfants. Les deux enfants, au lieu de rester ensemble et de continuer la ferme, ils coupaient en deux et chacun partait de son côté. Si ces enfants, ils avaient eux aussi des enfants, ben on recoupait en petits morceaux. Ce qui fait que tu te retrouvais avec des exploitations à peine viables, qui sur des petites surfaces, des petits cheptels, et donc les personnes ne s'en sortaient pas. Donc la seule manière de s'en sortir, c'est de bouffer le voisin. D'accord. Oui, maintenant c'est plutôt l'inverse. On se réunit en groupe pour Mais pas en pouvoir être plus Bretagne. confort. Mais toujours Pas pas en en Bretagne. Bretagne. Ah, d'accord. Non, parce qu'ils sont toujours encore trop nombreux. Hein. Quand on sait que sur la commune de Buerne, non, pas de Buerne. Sur la commune de Guy Pavas, qui est une petite commune d'environ 5 000 habitants. Ils sont autant d'agriculteurs que dans tout le Haut-Rhin. Ah, ah, effectivement, Voilà. ça fait beaucoup d'agriculteurs. Voilà. Donc, C'est tu pour te le conseilles dire. pas de débarquer en Bretagne, coucou, on vient Non, s'installer, ça va pas tu faire. ne t'installes pas en Bretagne, à Ok. part parce que de toute façon, si tu veux faire de l'élevage, là-bas, c'est plan nitrate sur la totalité de Bretagne, hein, parce que. Vu qu'ils sont trop d'élevage, le fumier il doit sortir de la Bretagne parce qu'ils ont trop de bêtes pour le nombre de places qu'ils ont. Parce que tu es limité, sinon tu sais, problème de nitrate et algues vertes, par exemple. Donc non, en Bretagne, tu ne vas pas t'installer parce que c'est un peu compliqué, on va dire. Même Okay. s'ils cherchent plein de monde, hein, mais tu ne t'installes pas une nouvelle ferme. Tu continues une qui existe si tu veux, mais impossible de recréer un atelier, quoi. Surtout en élevage, l'élevage, tu n'as même plus le droit de... Ils sont tellement à un haut niveau de nitrate que par rapport au canton, ils ont dit c'est simple, actuellement, il y a 2000 vaches sur ce canton, il n'y en aura plus jamais une de plus. C'est-à-dire, tu as le droit de mettre des vaches en plus seulement s'il y a quelqu'un qui arrête. D'accord. Voilà, tu as des seuils, ils ont dit, ils ont figé le nombre de vaches, ils ont dit c'est simple, il y a tel nombre de bovins ou tel nombre de cochons. Il n'y aura jamais plus. Donc, s'il y a un nouvel élevage qui veut y aller, eh ben, il faut que d'abord qu'il en tue un autre pour récupérer le... Je comprends. Eh ben, faut le savoir tout ça, hein. Et moi, j'étais en Bretagne pour mon 2e BTS. Là-bas, tu te maries selon les terres. C'est-à-dire, tu cherches quelqu'un par rapport au hectare qu'il a. Ah bon, ça fait des critères un petit peu inhabituels par rapport à d'autres régions. Voilà, c'est... Attends, lui, elle, c'est intéressante. Elle a 100 hectares, elle a des vaches et elle a un tracteur de telle marque. Ouais, si on regroupe, c'est bien, on va pouvoir faire quelque chose de plus gros. Voilà, ça, c'est en Bretagne. Ah Ici, bon. au contraire, entre agriculteurs, on ne le fait pas parce que c'est moins intéressant. On préfère s'associer entre ceux qui sont passionnés et que ça travaille à l'extérieur, quoi, pour le conjoint.
Du coup, les personnes mariées, le mari ou la femme, font un métier qui n'est pas dans l'agriculture Ah par chez non. vous, alors que dans d'autres régions, peut-être que c'est le couple En qui Bretagne, doit c'est se les. quasiment tout le temps le cas. D'accord. Ça se reproduit entre eux. Ok, ben en Bah tout cas, très agrandir. intéressant. Comment? Réagrandir les fermes. C'est pour réagrandir les fermes pour Eh que oui, ce parce soit. que tu disais que c'était divisé, ouais. Voilà. Donc, Moi, c'est si tout le monde intéressant est. de voir la différence entre les régions, en tout cas, je connais. Et je savais pas. Non, ici, c'est comme dit, 70% des agriculteurs sont des doubles actifs qui travaillent en Suisse. Et donc, ils sortent le tracteur, ils achètent des tracteurs flambant neufs pour faire un ou deux labours le samedi, dimanche, parce que ça permet, en fait, pourquoi ils sont doubles actifs et ils ne votent pas. Parce qu'en faisant une entreprise agricole à côté, ils font un déficit sur l'entreprise agricole. Ce qui fait que niveau des impôts, alors qu'ils sont fortement, ils devraient être imposés à 30% vu leur salaire suisse, vu que l'entreprise est déficitaire, pour faire le global dans les revenus, tu prends ton salaire d'un côté et ton déficit agricole de l'autre. Et donc, tu arrives à zéro, donc tu ne payes pas d'impôts. Ce qui fait que les doubles actifs, ils ont toujours les plus beaux tracteurs. Parce que tous les ans, ils achètent un magnifique tracteur à 130 000 euros. Donc, c'est des déficits, vu qu'ils ne peuvent pas se le payer. Mais vu que le salaire suisse est très élevé, ben, ils ne sont pas imposables ou très peu imposables. Ah, les montages financiers, quoi. Ah, ça, c'est de l'optimisation fiscale. Ok. Et tout le monde fait ça. C'est pour ça qu'ils restent double actifs. C'est pour ça qu'il y a des super tracteurs dans ta région C'est ça. qui se baladent Mais sur les terres. ce n'est pas ceux qui font les travaux dans les champs comme nous qui ont les super tracteurs. C'est plutôt ceux qui roulent peut-être 10 heures dans l'année, mais qui le revendent après en occasion. Mais ça leur permet. Et comme ça, ils demandent des factures vu que nous, on fait les travaux. Ça fait encore des charges en plus vu que nous, on fait les travaux. D'accord. Donc, ils ont Eh le ben. tracteur pour rien faire sur la ferme, mais ils ont le tracteur pour faire des charges en plus parce que. Logiquement, ce qu'on leur demande, c'est payer largement parce qu'ils récoltent. Hein. D'accord. Je comprends. Eh ben, faut le savoir tout ça. Ben, merci de toutes ces informations. Ça va me Ben, permettre de beaucoup de matière à étudier. si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Hein. Moi, ça ne me gêne pas. Je peux parler de tout, des trucs d'actualité. De l'écologie, des abeilles, parce que nous, on a aussi un collègue qui met plein de ruches près de chez nous, sur nos champs, parce que ça marche bien, il est content. Il n'a jamais eu autant de miel, quoi, depuis ces Ah deux dernières. ouais, même en 2021? Ouais. Mais non. Et ça marche tellement bien qu'en fait, lui, le miel, il s'emmerde plus à le vendre, il le vend à ceux qui vendent ça sur les marchés, parce que les apiculteurs du dimanche, vu que tu n'as pas besoin de formation pour être apiculteur. Tu peux te lancer n'importe comment. Mais le problème, c'est que souvent, ceux qui veulent s'y lancer pour faire genre c'est chouette, eh ben, ils tuent leurs ruches tous les ans parce qu'ils ne savent pas s'en occuper correctement. Ce qui fait que tu tires le miel à fond. Mais normalement, en juin, c'est fini. Tu ne tires plus de miel de tes abeilles parce qu'elles font leurs réserves pour l'hiver. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Ils disent bah, ça coûte cher le miel, tu peux bien le vendre. Donc, ils tirent le miel jusqu'en septembre. Septembre, l'abeille n'a plus rien à croûter. Et résultat, tu as ta ruche qui meurt en hiver parce qu'elle meurt de faim. Ce Ah qui fait que ouais. lui, il a 200 ruches, mais lui, en fait, ce qu'il fait, c'est juste de la reproduction de ruches et il vend des ruches à ces personnes. Et on va dire, les ruches qu'il a, il tire le miel et il vend aussi à ces personnes. Donc, les apiculteurs du dimanche, eh bien, ils lui achètent les ruches pour l'année et le miel parce qu'ils n'arrivent de toute façon pas à faire bien le miel comme il faut. La différence entre un pro et un amateur, Voilà. Ce finalement, qui les fait que. amateurs, ils rachètent tout au pro parce qu'ils entrent, Voilà, mais ils ils débutent marquent dans l'année. leur petit pot que quoi, c'est du miel de producteur, quoi, de chez eux. Ouais, je comprends. Et lui, il arrive à monter, il y a 2 ans, il a fait 71 kilos par ruche de miel. Ah Et ouais. il a dit, on parle néonicotinoïdes et pollution due aux agriculteurs, il a dit, il n'a jamais eu aussi peu de pertes de ses ruches. Il a même pas 2% de pertes, des ruches quand. Tu vois que tout le monde râle, oui, j'ai la moitié des ruches qui sont mortes pendant. C'est à cause des pesticides. Elle a dit non, c'est à cause du varroa et des personnes qui laissent crever les abeilles pendant l'hiver parce qu'ils ne savent pas s'en occuper. Lui, il a moins de 2% de pertes. Mais il a mis ses ruches dans vos champs de colza? Partout. Maïs, blé, herbe, colza. Ah ouais, Et d'accord. c'est des endroits. Et là où il les met, on traite, hein, normalement. Bien sûr, on est en réduction de dose, hein, on fait attention. On fait aussi du biocontrôle et tout. C'est vraiment au goutte à goutte, mais
les abeilles n'ont jamais été aussi bien. Et ça lui a tellement plu qu'on a bientôt de chez lui des ruches partout, quoi. Ah ouais, donc comme quoi c'est un préjugé de penser qu'en agriculture conventionnelle, il ne faut pas mettre des ruches dans le champ, quoi. Ben non, bah, lui, il met que pour les lui, il ne met pas chez les bio. Mais que chez les. Parce que le problème, c'est que les bio, ils traitent aussi. Hein. C'est juste au cuivre. Le cuivre, c'est métaux lourds. Hein. Une abeille qui butine du cuivre, ton cuivre, tu le trouves dans le miel. Et une petite abeille, des quantités, on va dire, elle ne survit pas énorme. Hein. Quand tu as du cuivre, ça, on va dire, tu ne peux pas l'évacuer par les urines ou le caca. Le cuivre, ça reste dans les tissus. Ah ouais, le bio au cuivre, je ne savais pas ça. Ah si, si, mais c'est à la base, pour être chambre d'agriculture, ça je le sais, ça fait 5 ans qu'on essaie de faire interdire le cuivre au niveau européen parce que justement, pollution du sol, c'est en train de détruire les sols parce que les concentrations, tu as le droit de mettre 24 kilos à l'hectare, je crois, sur certaines cultures par an de cuivre. C'est énorme. Et en fait, ça tue la vie du sol, les vers de terre. Comme dit, c'est dans la chaîne alimentaire. Si le vers de terre il est cuivré, tout ce qui bouffe le vers de terre va être cuivré aussi. Ah ben oui, oui, ça fait tout, ça pollue toute la chaîne alimentaire. Voilà, c'est ça. Et c'est des métaux lourds, c'est ça le problème. Hein. Quand on parle du mercure dans les poissons, le cuivre, c'est pas bon non plus. Hein. Et actuellement, on sait que à des hautes concentrations, ça stérilise déjà au niveau humain. Ça fait des problèmes de développement de foetus. Et actuellement, au niveau européen, ils ont accepté de réduire le cuivre, mais pas de l'interdire, parce que le bio, tout ce que tu as le droit le seul truc que tu as le droit d'utiliser en bio quasiment, c'est le cuivre. De cuivre et de l'huile de Nems ou un truc comme ça aussi, tu peux utiliser, mais c'est aussi très polluant. Et c'est, on va dire, c'est naturel, comme l'arsenic, certes, mais niveau biodégradable. Ah bah oui, les métaux lourds, même si c'est naturel, ça dépend en quelle proportion tu les mets. Cuivre, et on pense que ça va être le prochain scandale alimentaire, ça va être bio. Ah ouais. Actuellement, dans les magasins, tu regardes quand ils font des retraits de produits, c'est toujours du bio. L'épeautre, l'année dernière, l'épeautre ou c'est le sarrasin qu'est-ce que c'était? Ils avaient quasiment, en France, toute la farine. Le sarrasin, je crois, bio, était enlevé des rayons à un moment. Il ne t'en trouvait plus parce que, à cause du datura. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Il y avait aussi un problème avec les haricots bio. Le datura, c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud. Et en fait, il y a seulement les produits chimiques qui arrivent à te la niquer. Et ça, c'est très joli. Tu peux en acheter en jardinerie. Et en fait, le problème, c'est que le datura, c'est toxique, neurotoxique. La sève te fait des cloques brûlures niveau 3, tu peux t'amuser. La graine, on va dire 30 grammes de datura, que ce soit séché ou vert, ça te tue une vache. En fait, ça brûle tout à l'intérieur. Ce qui fait qu'actuellement, en bio, surtout, ils ont le problème de contamination au datura sur des petits pois, des haricots, de la farine, parce que, en fait, ça fleurit au même moment. Tu vois pas où. Et ça va être le prochain gros problème. La crise prochaine sanitaire, ça va être sur le bio. Bah, ça a déjà tué 5 personnes quand? Il y a 10 ans. L'affaire du concombre, ça te disait quelque chose? Tu en as peut-être entendu parler. À un moment, il y a 10 ans, ils disaient les concombres tuent des personnes, ce qui fait qu'il ne fallait plus acheter de concombres. Ça te dit, je m'en souviens plus. Non, moi, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée au problème Picard, mais c'était sur d'autres trucs. Oui, ça. Mais il y a environ 10 ans, il y avait la crise du concombre. Ils disaient ça parce qu'ils avaient trouvé que tout d'un coup, des personnes y mangeaient quelque chose. Et il y a eu des morts en France à cause d'une intoxication alimentaire. Ce qui fait que la filière concombre du Sud, ben, ils se sont retrouvés avec des tonnes et des tonnes de concombres. Et il s'avère qu'en fait, le concombre était innocent. C'était des pousse des germes de soja bio venant d'Allemagne qui étaient intoxiqués à la salmonelle, listeria, en tout cas, Escherichia coli, et ça tuait les personnes. Et en fait, c'était parce que c'était bio et donc c'était pas traité assez costaud et c'était une mauvaise année. Et le problème, c'est que ça a détruit toute la filière concombre, mais pour des pousses de soja bio, quoi. Je comprends. Mais ça,
Ça a tué des personnes. Quoi. Donc, qu'on fasse du bio ou pas, il faut toujours faire des contrôles. Voilà. On va dire pareil, Bordeaux, le dernier scandale à Bordeaux, je sais pas, il y a 5 ans, toute une classe de primaire qui s'est retrouvée à l'hôpital. Tu en as peut-être aussi entendu parler. J'ai entendu ça, mais je ne m'en souviens plus quand c'était et à cause de quoi. Ah, c'était quoi? C'était en fait le vigneron à côté qui traitait, mais ce qu'ils ont bâti, c'est qu'il traitait au soufre. C'est un bio qui traitait au soufre. Ce qui fait que, bien sûr, l'école primaire du soufre, ça attaque un peu les bronches, on va dire. Ouais. Ah dis donc, il n'y a pas de limite à la créativité pour trouver des produits bio qui traitent. Non, mais c'est ça. Moi, tu sais, j'ai la petite machine, Sodial vérifie les antibiotiques dans le lait, toujours. Si tu as un doute, tu peux aller chez des éleveurs qui ont la petite machine. Sodial donne environ tous les 100 éleveurs. Il y a une petite machine qui est donnée à un éleveur qui accepte de faire des tests. Et moi, j'ai cette machine. Donc, les autres éleveurs viennent chez moi quand ils ont un doute. Est-ce qu'une vache, ils ont loupé, tu sais, une inattention? Ils n'ont pas marqué qu'elle était enregistrée ou le collègue, sans faire exprès, il a mis le lait au tank. Eh ben, il m'emmène un bout de lait à analyser. Et après 3 heures, je sais si le tank est positif. Si le lait, il y a de l'antibio qui est détectable dans le lait. Donc, est-ce que c'est consommable ou pas? Eh ben, je peux dire que y a une collègue, elle est bio, elle est venue me ramener antibio vérifié dans le lait. Hein. Est-ce que tu crois qu'on peut avoir des problèmes comme ça aussi sur le lait végétal ou c'est pas le même genre de type de produit? Le lait végétal, il y a d'autres problèmes dessus que des antibiotiques. Il ne risque pas d'avoir d'antibiotiques. Mais quand tu sais que le lait de soja, ça vient surtout d'Amérique latine, du Brésil, où ils déforestent à fond, que ça fait des milliers de kilomètres et qu'en plus, il y a des hormones dans le soja est interdit par exemple aux femmes enceintes ou à l'étang. D'accord. Parce qu'il y a des hormones, il y a de l'œstrogène. Non, ils appellent ça des phytoœstrogènes, je crois. Ce qui fait que, en fait, ce n'est pas une bonne idée pour les garçons de boire trop de lait de soja. Quoi. Ah, d'accord. Eh ben, quand tu regardes, le lait de soja, il y a des œstrogènes, il y a des hormones qui peuvent poser des problèmes quand tu es enceinte. Ils t'interdisent de... Et les jeunes enfants n'ont pas le droit d'en consommer non plus. Mais le lait de riz, de noisette et d'épeautre, c'est pareil? Non, ça va. Après, c'est du jus. Le problème, c'est que c'est du jus et souvent, c'est ultra transformé. Ouais. Il n'y a pas écrit juste épeautre et eau. Il y a souvent un stabilisant. Et pour faire sortir ce jus, c'est pas juste pressé dans une genre de grosse meule à l'ancienne ou quoi que ce soit. C'est surtout la manière de faire. Tout ce qui est épeautre, comme dit, épeautre, noix, noisette, ça ne vient pas obligatoirement de France. D'où ça vient? Comment ça a été produit? Parce que nous, ce que je fais, par exemple, on peut considérer c'est du raisonné. On est même considéré comme du conventionnel. Pour l'Allemagne, on serait du raisonné, plus. Et pour des Américains, on serait du bio. Donc, selon les pays, bio ou pas... Nous, notre fumier, par exemple, qui n'est pas bio du tout, eh ben, il va chez le voisin à côté qui fait des fraises bio parce qu'il faut nourrir ces petites fraises bio. Eh ben, il prend du fumier pas bio. Nous, notre paille que l'on fait avec notre blé pas bio, eh ben, il sert à nourrir des bovins bio. Voilà. Ouais, donc au final, il n'y a pas vraiment de bio, il n'y a pas vraiment de pas bio. Non, quoi. Tout est un peu mélangé. Quoi. Au final. Pour le lait, tu as le droit de traiter avec des antibiotiques en bio, des antibiotiques classiques. Simplement, tu n'as pas le droit de traiter plus de 3 fois par an la même bête. Mais 3 fois par an, déjà, pour traiter 3 fois, c'est exceptionnel. Déjà que tu traites une bête une fois dans l'année, c'est déjà beaucoup. Alors, pour faire 3 traitements sur la même bête par an, faut vraiment être un gros sale, quoi. Ou pas réussir à faire ton élevage correct parce que tu n'as pas besoin de traiter chaque bête tous les ans. Quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et ben, c'est bon à savoir. Je lirai beaucoup plus la provenance de mes produits maintenant. Non, mais déjà, si tu prends du Made in France, tu es toujours au moins sûr que c'est à peu près bon. Sache que malheureusement, pour ce qui est le bio, par exemple, il n'y a plus de contrôle. C'est fait sur papier. Tu dois envoyer des factures ou des choses comme ça pour papier. Le problème, c'est que si tu n'as pas de contrôle sur site, tu
peux toujours dire, ouais, sur papier, il y a écrit que j'ai acheté des produits bio, mais si après, au black, j'ai acheté à un autre éleveur des produits non bio, ça se sait pas si tu vas pas voir. Justement, celui qui a des fraises bio, il s'est fait retoper parce qu'il avait des produits non bio, on va dire, pour ses vergers. Mais ils se font jamais contrôler, si, quand même, il y a des contrôles. Non, plus en bio. Ah bon? Mais non, il n'y a plus de contrôle parce qu'ils sont trop nombreux. Donc, ils ne s'emmerdent plus pour pousser les personnes à faire du bio. Et ben, ils ont abandonné le contrôle sur place et du contrôle, à part si tu as une vraiment gros doute, mais ils te préviennent à l'avance. Donc, tu peux faire disparaître les preuves, dirons-nous. Mais Tu penses que dans le futur, il y aura des contrôles par scan drone? non, parce qu'en bio, tu ne peux pas voir la différence. Ah. Parce que nous, on nous a déjà, des bio nous ont déjà demandé des produits, vu qu'on fait des traitements pour les autres, on nous a déjà demandé des produits qui ne sont pas autorisés en bio pour des bio. On a même la commune qui est trois libellules, qui n'utilise plus aucun produit de traitement. Nous, il y a des communes qui nous ont dit, on a des problèmes avec telle chose, on a besoin de produits. Voilà. Mais chut, on ne dit rien, on fait ça sous la table. D'accord. Ah bah, quelle histoire. Faut connaître les Et filons, en tant que chambre d'agriculture, je peux te dire, j'en connais de bonnes parce qu'il y a 7 ans, je crois, il y avait un problème sur le colza en Alsace. Il y avait une tellement année humide qu'il y a eu, je crois, de l'oïdium, une maladie de champignons sur le colza. Et le problème, c'est que il allait, on va dire, vu que c'est très recherché, du colza bio, il fallait avoir cette culture, quoi. Il fallait avoir ce colza qui arrive à maturité. Et parce qu'il était déjà vendu, il y avait un marché très important dessus. Et ce qui fait que la personne qui achetait, le vendeur, il a dit aux éleveurs bio, c'est simple, vous prenez ce produit, vous mettez ça et vous faites disparaître les bidons. Personne n'a vu, personne n'a rien entendu, on tait la chose. Tout le colza a été traité comme des gros sales pendant cette année parce qu'ils ont dit, on ne peut pas se permettre de perdre une année. Il faut être logique, si tu dis, soit je perds une année de boulot et j'ai zéro à la fin de l'année, ou je traite et je magouille un petit peu. On va dire, ça reste des humains normaux. Nous, parfois, les démunis, ils nous disent, cette année, mangez pas de cette farine parce qu'il y a tellement de mycotoxines de champignons dedans qu'elle risque d'être même dangereuse à haute dose, quoi. Ah ouais, ça fait Oui, peur un parce peu que. ce que tu dis. Ah non, parce que nous, vu qu'on moissonne pour des bio et des non bio, il y a un collègue aussi qui s'est amusé, qui fait aussi des moissons pour tout le monde, et il voulait voir des analyses, parce que toutes les bennes sont analysées, de céréales, voir les mycotoxines. Qu'est-ce que les mycotoxines? C'est des toxines qui sont faites par des champignons qui sont, par exemple, sur le blé de maïs. Plus, pour que ça reste mangeable pour les humains, parce que les mycotoxines, ça t'attaque le cerveau, c'est cancérigène un petit peu, donc il vaut mieux avoir des doses assez faibles. Je crois que sous 1200, c'est consommable pour les humains. Entre 1200 et 3000, c'est pour les animaux. Et après, c'est plus utilisé, ça va dans l'industrie. Résultat, et au-dessus de 7000 ou 8000, et ben la machine, elle le calcule même plus. Parce que c'est trop. Et ben, il s'est amusé, il a pris son client en bio pour rigoler parce qu'il le trouvait moche son blé, il a pris une analyse et il l'a fait analyser en disant que c'est le sien. Résultat, même la machine n'a pas pu analyser tellement c'était haut en mycotoxines, mais toute la benne, elle est quand même partie chez un meunier pour faire de la farine bio. Ah Ça ouais, bon, il a n'y a plus été de bio en mélangé fait, à ce que des. tu me dis là, il n'y a plus de bio, c'est fini alors. C'est Ben, marketing alors le bio. oui, c'est marketing. C'est toujours marketing. Moi, je ne mange pas de bio pour ça. Quand on voit derrière, tu te dis, c'est une grosse fumisterie, en fait. Alors qu'est-ce que Mais. tu nous conseilles plutôt circuit court, agriculture raisonnée alors? Ouais. Parce que. Parce que l'importance. Non, il y a les sirènes. Je suis en train de voir, vu qu'on a quand même. Des centrales nucléaires à côté, je vérifie si c'est la bonne sirène ou la mauvaise. Et qu'on apprend ça en cours de. Non, en fait, le mieux, c'est toujours du local. Les fermes, tu les vois.
en allant dans une ferme, tu vois tout de suite comment la personne travaille, comment sont les animaux. Et c'est plutôt le conventionnel, le vrai conventionnel envers son cochon, à part la vieille génération, peut-être en Bretagne, où ils ont tellement de petites surfaces qu'il faut des rendements, on peut dire que quasiment en France, tout le monde est enraisonné. On est quand même les fermes les plus petites d'Europe. On est depuis 4 ans primés comme l'agriculture la plus durable et écologique du monde, tu vois, par des organismes et des scientifiques qui viennent du monde entier. Donc, ils vérifient tout, les tailles, les surfaces, la biodiversité. Et la France, ça fait 4 ans quand même qu'on est numéro 1. C'est pas pour rien. Et en fait, on est tous quasiment enraisonnés. Si on s'installe en bio, mieux vaut pas être bio et raisonné. Vaut mieux être raisonné, parce que le bio, c'est simple. Si tu y crois, tu vas magouiller un jour et après, ça te pesera sur la conscience. Parce que tu ne pourras pas te dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ma conviction de bio? Je mets 3 kilos de cuivre sur ma salade, elle va être toute bleue, mais ce n'est pas grave, elle va ressembler à un martien. Ou est-ce que j'accepte qu'elle se fasse bouffer par les limaces, mais j'aurai pas d'argent à la fin de l'année, je fais comment pour vivre? Ou est-ce que je mets un produit un peu plus moins nocif pour parce que on va dire le chimique, qu'on le veuille ou pas, par exemple le fameux Roundup, glyphosate, si on l'utilise bien, je dis bien, hein, c'est-à-dire réduction d'eau, c'est des questions de gouttes. Hein. Nous, on utilise l'équivalent de 3 gouttes par terrain de foot, par exemple. Donc c'est vraiment minime. Il n'y a pas de danger. Après, si tu prends le bidon tu utilises pour faire ton pavé de ta cour, tu utilises 3 litres. Là, c'est un peu compliqué, comment dire. Mais nous, par exemple, on fait du non-labour. C'est-à-dire que pour préserver justement les sols, on ne laboure plus depuis 20 ans d'ailleurs. On était les premiers à faire ça dans le secteur. Ce qui fait qu'on a des... Au lieu de perdre, on parle toujours de perte de biodiversité et de fertilité des sols. Nous, on en gagne tous les 10 ans. On gagne, je crois, 2 ou 3% d'humus, de matière organique dans les sols. Ils sont de plus en plus heureux, nos sols, et il y a de plus en plus de vers de terre. Et ce qui fait qu'on a des rendements. Je ne vais pas me vanter, mais on est quand même très bien placé au niveau rendement, que ce soit en betterave, blé, maïs. Même en Bretagne, quand j'ai fait mon rapport de stage, j'ai dû mettre des photos pour montrer que je mentais pas, parce qu'ils ont dit que ce n'est pas possible. Pour exemple, en silage de maïs, en Bretagne, la moyenne, elle est à de 14-15 tonnes par hectare. Nous, chez nous, on fait du 23 tonnes par hectare. Ah oui, effectivement, ce n'est pas les mêmes chiffres. Voilà. Ouais. OK. Mais on va dire, en faisant du non-labour, le problème, c'est que vu que tu laisses la couche fertile, l'humus, qui est les 10 cm, les premiers 10 cm, tu la laisses au-dessus, parce que c'est le but, le labour, c'est que la graine de mauvaise herbe, tu la mets à 40 cm sous le sol. Et c'est le sol qui était à 40 cm, qui est pauvre, qui n'a pas d'humus, qui se retrouve au-dessus. C'est ça le labour. Hein. Le fait de faire du non-labour, bah, ta mauvaise herbe, elle reste en surface, dans la terre fertile. Donc la seule manière de s'en sortir, c'est justement, c'est quand ça devient trop sale, en plus de faire de rotation de culture, ce qu'on fait, eh ben, il faut parfois mettre un coup de glyphosate. Sinon, tu t'en sors pas. Mais fait bien, comme dit, ça se dégrade. Alors que du cuivre, une fois que tu as mis du cuivre, il y est pour 300 ans. D'accord. C'est ça. 3 gouttes de glyphosate pour un terrain de foot. C'est ça que tu as dit? Ouais. Franchement, comme dit, on est en réduction de dose, c'est de la pulvérisation. On met, je crois, de 1 litre. 1 litre pour 2000 litres d'eau, par exemple. D'accord. Alors que quand tu vas dans ton jardiland, ton litre de glyphosate, tu le mettais dans ton bidon de 5 litres. Nous, avec ce qu'on a, le matériel, on le met dans 2000 litres. Ouais, c'est sûr que c'est pas pareil, les proportions. Voilà. Et vu que tu as des GPS sur tous les tracteurs, ça te permet de ne pas passer 2 fois au même endroit. Et ça ferme les buses sur ta rampe. Quand ils voient que tu es déjà passé sur cet endroit, ben ça coupe. Pour être sûr, il n'y a pas de surdosage. Mais du coup, les agriculteurs en France qui utilisent du glyphosate, ils utilisent les mêmes quantités que tu as dit ou est-ce que chacun fait comme quasiment, il veut? Quasiment, oui. Parce que maintenant, pour avoir le droit de traiter, il faut une certification. Et elle est quand même un peu coton quand même.
C'est le certiphyto, ça s'appelle. Et c'est pour ça que le TA marche de mieux en mieux, parce que les personnes, c'est tellement chiant, il faut le refaire tous les 2 ans, que les agriculteurs, ils ne s'embêtent plus à faire le certiphyto. Ils demandent à des entrepreneurs, justement des entreprises, de le faire à leur place. Et vu que nous, on a toujours été en réduction de dose, parce que les produits, ça coûte cher, il n'y a pas d'intérêt à traiter si tu n'as pas besoin de traiter. Ce n'est pas le but, tu ne fais pas de préventif. Hein. Tu traites que quand c'est malade. Et encore, quand c'est autour des habitations, on utilise par exemple des trichogrammes, qui sont des mouches, ouais, qui vont éclore et qui vont bouffer la pyrale du maïs, par exemple. Mais nous, on a eu un problème parce que nous, on a eu la chrysomèle il y a aussi 12 ans, 13 ans. Il fallait tout traiter. Le maïs était interdit pendant 2 ans. Il fallait tout traiter parce qu'on est à côté de l'aéroport qui était le centre. Hein. On était en zone d'alerte maximum. Et on devait tout traiter, même ce qui n'était pas du maïs. Hein. Les potagers, tout devait passer à l'enjambeur. Hein. Mon père, il a passé des mois et des mois. Il était suivi par les gendarmes. Il devait traiter toutes les cultures pour essayer de lutter contre ce genre de cafards qui venaient de Chine par avion. Ah ouais. Et c'était avec des produits interdits depuis plus de 10 ans qu'il a dû traiter. Hein. Parce qu'on ne le dit pas trop, mais par exemple, Frontline Congo, qu'on connaît bien en tant que qu'on met sur le chat et chien. Ouais. C'est quoi? C'est un produit qui est interdit en agriculture depuis plus de 10 ans. C'est le fipronil. Ouais. C'est du fipronil, c'est du produit insecticide au niveau qu'on n'a plus le droit d'utiliser depuis près de 10 ans en agriculture. Ce qui est utilisé contre le moustique tigre en camague ou en hélico, quand tu vois, il passe en hélico et tout, contre la mouche, contre le tsetse ou ouais, le truc tigre. C'est aussi des produits qu'on utilise plus trop dans le secteur. Hein. Mais ils les utilisent en France pour les moustiques? Oui, bien sûr, en Camargue. Mais ça va dans les champs de culture, du coup? Bah oui, mais on va dire, quand tu sais que tu risques de mourir parce que si tu te fais piquer par le moustique, là où tu t'endors, t'es envahi, bah, ils ne s'emmerdent pas. Mourir de ça ou d'autre chose, quoi. Du coup, voilà. On va dire, ça ne touche pas que le moustique, on va dire, quand ils le font à un hélicoptère, donc... Ah et ouais. Ça, c'est l'État, c'est que tu sois bio ou pâte, en dessous, ta petite dose. C'est les hélicoptères, les avions aussi, du coup, ils lâchent des produits au-dessus des villes, enfin des champs et tout. Ben, ça se fait plutôt à l'hélicoptère, c'est des hélicoptères de traitement spécifique, mais comme dit, dans la Camargue où ils ont un problème de moustique tigre, c'est de la lutte contre des choses qui sont mortelles. C'est comme le datura, comme je te l'ai dit, le datura. Ce qui peut tuer le datura, c'est en plus quelque chose de costaud. Voilà, hein. Mais le datura, le problème, c'est que ça peut être à haute dose mortel pour les humains. D'accord. Et ça va être le prochain problème en bio, parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas le droit d'utiliser ce qui peut tuer du datura. Et ça va être problématique, parce qu'en plus, c'est chiant à enlever. Et moi, je sais que j'en avais à côté de la ferme. J'ai mis 3 ans à m'en débarrasser. Hein. Et chaque fois, je les prenais à la main, je devais casser. Ça finissait dans un sac plastique et au feu, quoi, pour être sûr que... Et avec des gants en cuir, pour être sûr de ne pas me finir brûlé, quoi. Eh ouais. Et bon, tout un travail. Hein. Ça, c'est des choses à penser hein, quand on rentre dans le métier. Et tu as plein de choses comme ça, des petits trucs où tu te dis que tu es parfois obligé d'utiliser du traitement. C'est pour ça j'ai que des collègues, tu vois, parce qu'en tant que chambre d'agriculture, je connais bientôt tous les agriculteurs et tous les problèmes des agriculteurs. Celui qui est au marché, il était en bio, ben, il a arrêté la certification parce que le bio, tu payes 600 euros, je crois, par an pour avoir la certification. Et il a dit actuellement, ce n'est pas le bio qui fait vente, c'est le local. Actuellement, le bio est en crise. Je ne sais pas si tu suis un peu l'actualité, mais s'ils font tellement de pubs manger du bio, c'est parce que c'est en crise de surproduction. Et on n'est qu'à 5% de bio en surface, ils veulent monter à 20%. Là, actuellement, la filière en lait, par exemple, toutes les laiteries abandonnent. La seule laiterie qui vendait 100% de bio, elle a coulé. Elle est en train de couler. Elle va abandonner tous ses éleveurs. Sodial, ça fait 2 ans qu'ils ont dit on ne prend plus aucun nouveau bio. Et ceux qui sont en bio, ben, la moitié de leur lait est vendu au conventionnel. Ce n'est pas sous étiquette bio parce que personne ne l'achète. Et encore, ils ont passé une loi qui impose du bio dans les cantines ou des choses comme ça, mais sinon, ça sera encore pire, la crise. Actuellement, ça ne paye plus. D'accord.
Et donc, pourtant, tous les agriculteurs qui sont en bio, ils font comment alors pour vivre? Ils ont, ouais, tu dis, ils font du cuivre, ils font d'autres trucs, quoi. Mais souvent, soit ils sont dans des niches, c'est-à-dire des grandes villes, des endroits où il y a beaucoup d'argent. Donc, il y a des personnes qui sont prêtes à l'acheter. Il y a tout ce qui est grande surface, cantine et des choses comme ça, parce qu'ils sont obligés de l'acheter. Et après, il y a les anciens bio, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 10 ans derrière eux, qui sont les bio, on va dire les vrais bio d'origine, qui ont fait ça par conviction. Et, on va dire, il y a 10 ans a commencé les premières crises agricoles, que ce soit le lait, la viande, et les personnes se sont dit, mais en bio, c'est chouette, on gagne plus d'argent parce qu'on vend plus cher. En plus, la PAC, on a deux fois plus d'aide PAC. On est aidé par la région, le département, on a des aides en plus. Donc, tout bénef. Et donc, les nouveaux qui se sont lancés dans les bio, souvent, ils ne se sont pas lancés dans les bio par conviction, ils se sont lancés par appât du gain. Le problème, c'est que le bio, ça, on l'apprend en installation, les deux premières années, si tu n'as pas les reins solides déjà à la base, c'est cuit. Qui fait que ceux qui se sont lancés en bio ont dit « Oh, facile, ça va permettre de renflouer la trésorerie », souvent, après 2 ans, ils ont pu fermer la ferme, ils ont abandonné. Mmh. Ouais, à moins d'être en GAEC, avec des gens déjà expérimentés. Voilà, mais ça, tu crées pas, tu passes pas en bio. Tu es déjà sur une ferme en bio. Et eux, c'est parce que c'est très technique, le bio, contrairement à ce qu'on pense. Il faut beaucoup plus de techniques, ça demande beaucoup plus de tests et tu as beaucoup plus de chances de finir la bec dans l'eau si tu as un moment de sécheresse. Ou là, il y a 2 ans, les bio, ils ont eu le droit d'acheter de la bouffe pour les animaux non bio parce qu'il n'y avait pas de bouffe bio pour les animaux parce qu'il faisait tellement chaud qu'il n'y avait pas d'air, tout simplement. Ce qui fait qu'ils étaient contents d'avoir du maïs de conventionnel pour faire tenir les animaux l'hiver. Mais ce qui fait que les bio, actuellement, tous les bio ont des dérogations à ne plus savoir quoi en faire. Dès qu'il y a une mauvaise année, tu as une dérogation, tu peux rester bio, mais tu as le droit de traiter avec ce produit ou tu as le droit de les nourrir avec du non-bio. Ouais, c'est le festival de... On a le droit de quand même faire pas du bio alors qu'on dit qu'on fait du bio, quoi. Voilà, c'est des dérogations. Mais sinon, on va dire, tu ne peux pas survivre, tout simplement. Ça ne peut pas être rentable et c'est normal. Ça sert à quoi de te dire aujourd'hui j'ai décidé je mange que des fruits et légumes qui sont rouges, bah, et quand il n'y a plus rien qui est rouge, tu fais quoi? Tu manges pas? Tu meurs de faim? C'est exactement pareil, le bio, on va dire, t'as plus de risques. Et voilà. Donc c'est pour ça le raisonné, tu peux faire l'équivalent bio, mais le fait d'être en raisonné, tu peux te dire s'il y a un problème, tu peux quand même traiter. Et on va dire. Moralement, d'un point de vue moral, c'est peut-être plus, on va dire, c'est plus juste par rapport au consommateur. D'un point de vue éthique, tu veux dire? Voilà, oui, ouais. D'un point de vue éthique, parce que tu ne mens pas, tu lui mens pas. Tu peux dire, je fais comme celui qui vend ses fruits et légumes au marché, il dit, je peux être en bio, mais je refuse de demander le truc parce que ça m'obligerait, d'un point de vue éthique, à suivre certaines choses. Et il préfère. Si c'est malade, de traiter. On oublie encore qu'il y a 100 ans, il y avait en France, je crois, 500 000 de personnes qui mouraient à cause de l'oïdium sur la patate. Est-ce que c'est l'oïdium? Même la maladie de la patate, je ne me souviens plus. Oh, zut. Je crois que c'est l'oïdium de la patate. Il y a 500 000 de personnes qui mouraient à cause d'un champignon. Voilà, le blé, le pain qui rendait fou, c'était oh, punaise, j'ai perdu plein, avec l'accouchement, j'ai perdu plein d'infos, c'est chiant, j'arrive pas à trouver. La mémoire est sortie avec le bébé. C'est exactement ça. C'est quoi, l'ergot, voilà, l'ergot sur les céréales, l'ergot du seigle, l'ergot du blé, ben ça c'est actuellement sur des céréales en bio. Parce qu'on a pu tuer cette cochonnerie en début du siècle que grâce aux produits phyto. On oublie qu'une plante ou un animal, c'est comme un humain, ça tombe malade. Si ça a un cancer, un champignon, si tu bouffes quelque chose de malade, bah, tu as une chance d'être malade aussi, quoi. Ouais, je comprends. Alors pour l'instant,
n'y a pas de scandale parce que le bio reste très local, ce qui fait que tu peux toujours être en bio si tous tes voisins à côté de ton champ traitent normalement. Ton champignon, il ne va pas être très virulent dans ton champ parce que déjà, il devra venir dans ton champ et traverser les champs des autres. Donc, le fait d'être dispatché comme ça évite les trop grandes maladies. Le fait que même niveau terre, vu qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser d'engrais, actuellement, ils savent qu'ils en ont pour 20 ans devant eux de fertilité dans les sols. Et même les anciens bio, ils disent, une fois que tu as fait du bio pendant 10-15 ans sur un terrain, tu vois que tout d'un coup, tu as tes rendements qui chutent. Parce qu'entre le cuivre qui a pollué un petit peu et le manque d'apport d'engrais et tout, ben, ça chute. Donc, pour moi, le bio, ça ne va pas être l'avenir. Même si au niveau européen, en France, ils disent qu'il faut 20% de bio, c'est l'avenir. Je pense que ce n'est pas l'avenir parce qu'actuellement, comme on dit, les bio, ils font marche arrière. À part de magouiller comme des gros sales, je pense qu'il faudra mieux faire du raisonné, qui est surveillé, vérifier bien-être animal, que ce soit en bio ou en pas bio. En Bretagne, on a visité j'aime bien visiter des fermes quand je pars en vacances parce que ça me manque. On est allé dans une ferme bio. Quand j'ai vu les animaux, ils avaient de la merde, ils pataugeaient dans de la merde et dans la boue jusqu'au poitrail, ils avaient de la merde. T'avais un pauvre qui n'avait pas le droit de le traiter, ce qui fait qu'on voyait son poil était moche, on voyait ses os, un pauvre, un petit broutard, quoi. Il devait avoir 5-6 mois. Il était. Oh, ça faisait mal au cœur, quoi. Ouais. Alors qu'une petite piqûre d'antibio, bah, ça lui aurait fait du bien, celui-ci. Et oui, parce que nous, les humains, on prend des antibiotiques quand on est malade, mais si l'être humain devait être traité en bio, on serait peut-être Bah, t'imagines, pour tu des traites urgences ton cancer. maladies, on serait un peu dans la merde. Tu traites ton cancer à l'homéopathie, ça va être sympathique, hein? Ah bah là, de toute façon, le cancer, c'est l'extrême, mais c'est vrai qu'on raisonne Bah. pas pareil quand on pour les humains, pour les traitements médicaux d'urgence, quoi. Ben, des cancers, ça existe même pour les végétaux et ça existe pour les animaux. Alors, si tu as envie de manger après de la céréale cancérigène ou ton bœuf qui a eu son cancer. Là, j'ai une vache, il faut que je la parte la semaine prochaine parce qu'elle commence à avoir une tumeur à la mâchoire. Ah Enfin, qu'elle commence au bout. Et ouais. Ouais. les vaches ont aussi des crises cardiaques, des tumeurs, des cancers, de l'arthrose et des choses comme ça. Donc, ne pas les traiter, à un moment, même si on arrive à vivre jusqu'à 80 ans, en moyenne espérance de vie pour les femmes, c'est peut-être parce que si on est malade, ben, on traite, hein. L'aspirine, on va dire, ça a quand même permis, les vaccins, ça a quand même permis de lutter contre des choses pas trop mauvaises. Ok. Voilà. Comme Ouais, les effectivement. hépatites, Ah bah oui, on peut pas tout la traiter avec. tuberculose, ça existe chez les bovins aussi, hein. Le Covid, tu crois qu'il vient d'où? Il vient des bovins, hein. Il y a 21 types de Covid et de coronavirus et de rotavirus qui existent chez les bovins. Ils nous disent que si ça continue le Covid, ça va être les bovins qui vont faire les médicaments, ça va être plus facilement accepté que les vaccins. Parce que vu qu'on a le même Covid que les humains, si tu vaccines une va les vaches, s'auto-vaccinent parce qu'elles sont tout le temps en contact contre les Covid, donc leur lait est de manière générale déjà. Avec des anticorps anti-Covid dessus. Donc, ils pensent qu'en pouvant. Ils ont essayé en concentrant à fond le lait, et ben, tu arrives à extraire Ah ouais. les. Ouais, alors ils ont dit ça pourrait aider, ça ne lutterait pas comme un vaccin, mais ça pourrait aider à rendre plus résistant d'avoir déjà des. Donc pour lutter contre le Covid, buvons du lait. C'est exactement ça. Bah, je n'ai pas eu, hein, tu vois, je bois Hey, tu nous Bon, fais bien ta pub pour boire du lait. je crois que pour la tuberculose, pour le vaccin tuberculose, je me demande si c'est pas sur les chevaux qu'ils ont créé le vaccin tuberculose. Parce qu'il y a des souches pour des vaccins humains. Ils mettent la souche sur un animal, un cheval, souvent c'est sur les chevaux, et ils prélèvent dans le sang du cheval la souche qu'ils multiplient en laboratoire. D'accord. Parce que Ah les animaux peuvent tomber malades aussi, tout simplement. ouais.
Et les plantes, c'est encore pire, parce que quand tu bouffes, comme on dit, entre le datura, les Escherichia coli, les listeria, la salmonelle, tous des trucs comme ça. Ouais. Eh ben, que de découvertes. Non, mais n'hésite pas, je sais que si tu vas te lancer dedans, tu vas rigoler, quoi. Ah bah là, tout ce que je croyais sur le bio, tu m'as démystifié. Non, mais après, comme dit, ceux qui sont anciennement bio, avant les crises, qui se sont installés avant 2012, c'est-à-dire les historiques bio, eux, ils avaient encore la mentalité bio. C'est-à-dire qu'ils faisaient vraiment pour la planète, même s'ils utilisent du cuivre à haute dose. On va dire, on n'oublie pas que le bio, ça reste des traitements. Ils traitent aussi. Il ne faut pas se dire, c'est bio, ils ne traitent pas. Si, ils traitent, ils peuvent parfaitement traiter en élevage avec les mêmes produits que nous. Et comme dit, pour traiter trois fois, il faut y aller. Hein. C'est vraiment de la haute dose, c'est que tu n'es pas un bon, parce que sinon, ta vache, comme dit, en moyenne, sur 200 bovins, si je fais 100 traitements par an, c'est le bout du monde. Pour 200 bovins. Voilà. Et c'est pareil en bio. Mais après, comme dit, ça a été un effet d'aubaine. Ils se sont dit qu'il y a du pognon à se faire. Donc, le bio est devenu du bio-industriel. Il y a une ferme dans notre secteur. Il y a 200 vaches, pas bovins, 200 vaches. Nous, on est à 100 vaches, on est considéré comme une grosse ferme. 200 vaches, ils sont peut-être en bio, mais c'est aussi poussé. Tu peux être à 10 000 litres, ta vache. En bio, si tu as les bons granulés, tu peux foutre des granulés comme un gros sac, aussi en bio, hein. Faut pas croire. Alors qu'il y a 10 ans, la mentalité bio, c'était plutôt de l'élevage extensif, des vaches rustiques qui font pas beaucoup de lait. Là, c'est fini. Comme dit, c'est devenu un effet d'aubaine où le but, c'est de produire le plus possible, même si tu as les trois mots, tu as écrit bio dessus. Le but, c'est que tes vaches, elles font 10 000 litres comme les conventionnelles, hein. Tu mets le produit qu'il faut derrière, qui est autorisé en bio, mais ça te coûte très cher. Mais tu as des vaches qui produisent. Les vaches, chez ceux qui il y en a 200, ils produisent beaucoup plus que les miennes, quoi. Ah ouais. Parce que le bio, comme dit, il faut nourrir, il y avait de la demande, qui fait que tout le monde s'en est lancé. Et maintenant, il y a une surproduction et t'as tout le monde qui se casse la gueule. Mais ça, c'était prévisible. Hein. Bon ben, il n'y a plus qu'à Lance voir pas comment dans ça va se le local. passer. Comment? Lance-toi Oui. dans le local. Le bio, ça ne sert à rien. Tu fais du local et tu peux expliquer comment tu travailles. Tu n'as pas besoin d'être bio. Tu peux être raisonné. Et c'est plus simple, même pour toi. Tu n'auras pas peur quand tu mangeras ta salade ou ton asperge de finir mourir d'une salmonelle. Certes, effectivement. Bon, bah, je vais étudier tout ça. De toute façon, là, avec mon cursus en agronomie, je vais avoir le temps d'expérimenter des trucs. Ah bah ça, tu peux y aller. Hein. Ouais. Mais on va dire que normalement, même vu que tu es en BTS PV, c'est production végétale, Maguire. Ouais. T'as les cours en agronomie commencent normalement dès septembre aussi, donc t'as déjà des cours à rattraper, non? Je vais commencer dès que mon inscription est validée, donc je peux entrer fin mars, début avril. Ils m'envoient les livres à la maison, les cours. Je consulte, Ouais. j'apprends par moi-même. Il y a peut-être des rendus, des devoirs, des choses comme ça. Et donc dedans, il y aura effectivement bah, apprendre les choses conventionnelles, apprendre les choses bio. Je vais voir un peu tout, tu vois. Oui, bah oui, c'est le but, Ouais, hein. ouais, Et ton examen, tu y es pour un an, non? ouais. L'examen, il est en juin 2023. Voilà, 2023, c'est ça, tu fais ça en un an et demi. Ouais. Donc Parce voilà. que moi, j'ai aussi fait mon BTS, j'avais fait un premier BTS agricole, et 3 ans après, j'ai fait un deuxième BTS en Bretagne, justement, et moi, je l'ai fait en un an, j'ai commencé en septembre, mais j'étais dans les deux classes en même temps, donc j'avais un emploi du temps, j'étais soit parfois en première année, soit en deuxième année, selon ce qu'il fallait. Ah. Mais c'était simple, c'était peut-être plus simple d'une certaine manière, parce que c'est-à-dire que toi, tu pourrais aussi le faire en un an. Au lieu de le commencer en mars, tu pourrais le commencer en septembre. Hein. Bah, l'avantage, c'est que je fais mon stage cette saison-là.
Parce que c'est un peu limite de faire mon stage pro, parce qu'il faut que je fasse mon stage pro avant l'examen de juin 2023. Et si je veux faire une pleine saison, je suis obligée de commencer là, tu vois. Moi, j'avais fait, ouais, ils m'ont dit, c'est simple. J'avais appelé en juin. Ils m'ont dit, si vous faites 2 mois de stage pendant les grandes vacances, c'est bon, c'est validé. Donc, j'avais 3 jours pour trouver un maître de stage. Ah ouais. Mais j'ai trouvé, c'est bon, mais ce que tu verras pour les pour en tant que femme, en tant que fille, les personnes sont plus réticentes à prendre en tant que stagiaire. Ah ben moi j'ai trouvé un stage, c'est du bol, hein, mais j'ai trouvé un stage dans une exploitation en une journée parce que ils cherchaient des ingés agronomes. Et les ingénieurs agronomes n'étaient pas intéressés de faire un stage dans une exploit. Ils voulaient faire à l'INRA ou dans des labos. Oui, des gros trucs, quoi. Ouais, et moi, j'ai dit, ah non, mais moi, même la petite exploit, je prends parce que de toute façon, déjà, ça ne court pas les rues, les stages en plein mois de mars. Et en plus, moi, ça m'intéressait carrément d'aller directement sur le terrain plutôt que d'être dans un labo, quoi. et surtout, le problème, c'est que de moins en moins d'agriculteurs prennent tout simplement des stagiaires ou des apprentis parce qu'il y a, si tu regardes, prendre un apprenti ou un stagiaire, il y a tellement de problèmes juridiques. Et normalement, par exemple, un stagiaire mineur, il n'a pas le droit de monter 3 marches. C'est-à-dire s'il y a une échelle ou même pour monter dans un tracteur, s'il y a plus de 3 marches, il n'a pas le droit. Ah bon, d'accord. Non, mais pour les majeurs. Pour les majeurs, tu as quand même pas mal de choses. Par exemple, tu as toute une liste de choses. Un stagiaire, logiquement, il n'a pas le droit de prendre une fourche parce que si le manche se casse, il doit prendre sa fourche, il doit avoir des gants de protection obligatoirement pour éviter, et même peut-être des lunettes pour éviter si le manche se casse, qu'il n'a pas d'éclat dans les yeux. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais voilà. Ça, la limite, et plein de conneries comme matos, ça. Mais... Et tout. Ah ouais, ouais. Oui, non, mais les yeux et les mains, et même les pieds, les chaussures de sécu, moi j'ai tout mon matériel, donc ça va, mais c'est vrai qu'il y en a qui ne font pas gaffe, c'est vrai. Ouais. Oui, mais quand tu bêches ton sol, tu ne t'amuses pas à mettre tes lunettes de sécurité. J'ai jamais vu quelqu'un bêcher avec des lunettes de sécurité. C'est vrai que ça leur vient pas à l'esprit. Pourtant, même à et toi, pourtant. Même à toi, je suis sûre que ça ne viendrait pas à l'esprit. Bah, j'en ai, tu vois. Alors, c'est vrai que je mets que des gants et les chaussures de sécu. C'est vrai que je pense pas mettre des lunettes de sécu. C'est vrai. Mais voilà, à part si tu fais de la tronçonneuse, tu n'as pas besoin des lunettes de sécu, normalement. Ouais, c'est vrai. Mais tu as plein d'obligations sur des stagiaires parce que souvent, c'est assez... Ok, et ben je vais mettre des lunettes quand je prendrai une fourche maintenant. Non, mais après on se fout de ta gueule. Ouais, mais en même temps, je préfère être surprotégée que de me prendre un truc dans l'œil, hein, on ne sait jamais. Non, mais il n'y a aucun risque surtout. C'est... Nous, notre premier stagiaire, Brian, lui, il avait même interdiction dans sa classe, il avait fait un cours de sécurité. Il n'avait pas le droit en tant que garçon d'être dans une salle de traite pendant la traite. Parce qu'avec la pulsation des crayons, pas qu'ils se le mettent dans le pour faire des sensations. Parce que oui, certains jeunes prépubères s'amusaient à mettre leur dans la pulsation de la machine à traire, parce que vu que ça aspire. Ah, oh, mais non, voilà. Ils sont fous, les mecs. Putain, mais ils veulent mourir. Hein. Je ne sais pas, mais à un moment, c'est. Vu que tu as quand même 40 de vide, hein. Oh là là. Donc il y en a, c'était ça a arraché. Ah, c'est horrible! Ah non, laisse tomber. Ben, bon, moi je suis une fille, je risque pas. C'est ça. Non, mais quand tu vois des conneries comme ça, quand le stagiaire te dit oui, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça, je peux faire ci, on se dit non, mais il est en cours, il voit ça, on se dit oh non. Il y en a qui ont trop d'imagination. Non, mais c'est bien, tu vas t'amuser. Et elle fait quoi, ta ferme ? Polyculture, polyélevage sur 74 hectares. Il y a des chèvres, des moutons, du maraîchage, de la céréale. En fait, c'est hyper diversifié. Ouais. Et du coup, je trouvais ça bien parce que ça me permet de tout voir. C'est ça. Et mon sujet là-bas, ma mission là-bas, c'est de utiliser tous les matières organiques produites sur site pour en faire de l'amendement, du fertilisant, pour pouvoir tout utiliser qui est zéro déchet. Bah, surtout que là, vu le prix des amendements, on va dire, qui viennent d'Ukraine et de Russie, c'est un peu compliqué. Le fumier et le lisier, c'est vrai que ça a de l'avenir. Ah bah voilà. Donc du coup, là, je suis à fond dans transformer les matières organiques en fertilisant et en amendement, parce que je me dis, effectivement, ça a de l'avenir. Et
quand on, si je travaille dedans, je sais que peut-être toute ma vie, bah, ça pourra me servir, ça, il y aura du travail sûrement, je pense. Oui. Après, la méthanisation, on dit toujours il y a de l'avenir, certes, mais il y a beaucoup de projets de méta qui sont actuellement à l'arrêt à cause justement des problèmes environnementaux et des associations qui ne veulent pas une méthanisation parce que ça pue, ça machin chose, il y a des Ah, oui, bah après, il y a toujours des solutions écologiques et Ben, la tout ça. méta, c'est pour faire l'électricité, hein. Ouais. Électricité, du biogaz. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, il y a plein de solutions. Ouais. Donc, en plus, le digesta, est-ce qu'il est déjà prédigéré, il est mieux absorbé par la plantousse derrière. Ouais. Moi, j'ai hâte de tester tout ça, voir ce que ça donne. Là, tu vois. Après, fais gaffe parce que entre le chèvre, le mouton, la vache et le cheval, ça n'a pas tous les mêmes la même composition au Oui, bien pétard. sûr. Oui, après, il faut que j'étudie beaucoup de bibliographie et puis je vais aller sur Commifer. Il y a un groupe d'études scientifiques sur la fertilisation et l'amendement, donc je vais me baser sur certaines recherches pour pas réinventer l'eau chaude, tu vois. Parce Oui, qu'il y a et des trucs qui après, ont tu déjà peux été voir faits. même avec les chambres d'agriculture, comme dit, ils ont Ouais. déjà plein de choses, il suffit de voir avec eux, hein. Ouais. Parce que le cheval, par exemple, c'est pas bon pour certaines cultures. Ouais. Bah, eux, ils n'ont pas de chevaux, mais. Enfin, je ferai. En fait, là, je vais vraiment faire avec ce qu'eux, ils ont. C'est vrai qu'eux, ils n'ont pas de chevaux, mais après, ils ont beaucoup de chèvres. Donc, à voir ce qu'on peut faire avec la chèvre, etc. Et ils ont des poules. Ils ont beaucoup de poules, ouais. Parce Poules, que chèvres, moutons. la poule, c'est quoi? L'ammoniaque? Est-ce que c'est l'ammoniaque? Je sais que la poule ramène quelque chose, acidifie très et fortement les sols à cause de, je crois, de l'ammoniaque. Parce que la fiente, ouais, la fiente acidifie beaucoup, donc tu ne peux pas le mettre tous les ans, par exemple, sur la même terre, sinon tu te retrouves avec des pH. Ouais, bah après, ou alors faut la mélanger, enfin, faut Même voir les tous les jours. proportions. Même tout, parce que s'il est sur des sols qui sont déjà acides, tu refous de la fiente de poule. Normalement, ça, c'est pour ça que tu fais de la rotation sur les sols. Ouais. On peut faire de la rotation aussi avec les types d'amendements, les types de. Oui, parce À que le voir ce qui est fumier, il fait possible. 3 ans, c'est sur 3 ans les fumiers. Ouais, Tu mets une ouais. fois et ça tient sur 3 ans. Ouais, t'as raison, les rotations, c'est pas mal ça pour l'amendement. Là, c'est obligatoire quasiment parce que, comme dit, le fumier, tu mets la première année, il y a 30% qui est utilisé et le reste dans le sol. Et en fait, vu que ça se dégrade, vu qu'il y a de la paille, ça se dégrade sur 3 ans ou 5 ans. Et tous les ans, tu as, je crois, 20 ou 30% qui est utilisable par la plante parce que c'est déjà dégradé. Et le reste dans le sol. Ouais, Donc, je ça comprends. sert à rien de mettre tous les ans. Donc, le fumier, par exemple, tu le mets normalement une fois tous les 3 ans, 5 ans. Donc, ça veut dire que l'application ne peut pas se faire tous les ans pour l'amendement. Non, non, pas en tout cas en fumier, parce que justement, Ouais, pas en fumier. Ouais. ça se dégrade en, je ne sais pas si c'est 3 ou 5 ans, mais tu mets pas. Tu mets une fois minimum tous les 3 ans. Après, le D'accord. lisier, par exemple, le lisier, tu peux le mettre tous les ans. Parce que c'est tout de suite utilisable par la plante, contrairement au fumier qui a de la paille qui doit être dégradée par les micro-organismes Ça du veut dire que sol. s'ils en ont trop, ils ont tout intérêt plutôt à le revendre. Oui, parce que tu peux faire des échanges. C'est recherché souvent chez ceux qui font que des céréales. Tu as l'échange paille-fumier, ça s'appelle. C'est-à-dire contre 1 tonne de fumier, eh ben, le céréalier, il te permet d'avoir 1 tonne de paille en échange. Ah, Donc lui, intéressant. ça se fait beaucoup pour ceux qui sont purs céréales avec ceux qui sont purs élevage. Et ils s'échangent comme ça. Ça permet d'un côté, toi, tu récupères de la paille gratos d'une certaine manière. Ah, vu le prix de la paille hein, qui commence à augmenter en plus. Et de l'autre, il récupère ben, du fumier gratos aussi qui permet de pas acheter. Parce qu'en tant que céréalier, la paille ne lui sert à rien souvent. Quand tu es juste céréalier, tu ne t'emmerdes pas à vendre ta paille. Tu la broies sur place et tu la restitues au sol pour justement, d'une certaine manière, foutre de la paille, ce n'est pas du fumier, mais ça permet de remettre de la matière organique au sol. Ah, je vois. Donc à la place, si tu peux avoir du fumier et le gars qui a l'élevage, qui peut avoir de la paille pour ses animaux. Ben... Et quel Ça... avantage le céréalier il a à ne pas utiliser sa paille et l'échanger contre du fumier, ça enrichit son sol? Ben, le fumier enrichit plus que de la paille. Plus que de la paille. Ok, d'accord. Oui, largement. Donc Parce que il a tout à justement, gagner à échanger sa paille contre le fumier parce voilà. que c'est mieux pour son sol.
Mais pas tous les ans. Pas tous les ans, c'est ça. Ben, pas, si, il peut les changer tous les ans, mais pas sur les mêmes parcelles, parce que le céréalier, actuellement, la PAC impose qu'il y ait 3 cultures sur les fermes. Ouais. Pas faire que du blé. C'est-à-dire une année, tu as du blé, une année, tu as du maïs, une année, tu as peut-être du colza. Donc, tous les ans, ça change. Donc, mais il ne faut pas qu'ils mettent le fumier des chèvres, par exemple, sur sa même parcelle, même si ce n'est pas les mêmes cultures. Parce que tu disais que voilà. Ça restait dans le sol, c'est quoi ça. Qu'il arrive. Ouais, okay. Voilà. En sachant que certaines, comme ce qu'on appelle les cipans, c'est des cultures intermédiaires pièges à nitrate. Ouais. En fait, leur but, c'est le colza, soja, je crois, t'as tout ce qui est moutarde. Le but, c'est qu'ils vont te prélever tout ce qui est nitrate dû justement au fumier et tout. Ils vont se le prendre sur eux et à la fin, ils vont le restituer au sol. Donc, en fait, eux, c'est des grandes bouffeuses de nitrate, ce qui fait que la moutarde, par exemple, en France, il n'y a pas de moutarde qui est cultivée pour faire de la moutarde de Dijon, par exemple. La moutarde, tu la mets en octobre, elle pousse, elle va bouffer tout le nitrate pour éviter que pendant l'hiver, le nitrate part avec la pluie ou la neige, il part dans les ruisseaux. Il va capter tout ce nitrate, il va le garder sans lui. Et au printemps, tu broies ça et le nitrate est tout de suite quasiment utilisable par, ce que tu sèmes par-dessus. Ah, c'est pour ça. Ce qui permet que tu n'as pas besoin de mettre de nitrate après de la moutarde parce que, on va dire, lui, il va te. Et tu as des cultures comme ça qui vont te garder la nitrate et qui vont te le donner pour la culture d'après. Ah, je vois. Donc, c'est bien que tu mets par exemple du lisier ou du fumier avant de mettre ce genre de culture parce qu'il va déjà commencer à te faire de la nitrate d'une certaine manière qui est utilisable pour la culture encore d'après. Je comprends. Donc avant la moutarde, tu mets le produit. En fait, on met du lisier toujours sur la moutarde même. La moutarde, elle est toute jaune et hop, on passe le lisier. Tout d'un coup, ta moutarde, elle est toute brune. Mais on s'en fout, on sait que tu vas tout absorber et que ça ne partira pas. Et après, on va tout broyer et on sème, par exemple, du maïs derrière. Et là, ton maïs, c'est pour ça que tu as des rendements après de fou. Ah. Ton lisier que tu as mis, ben, il a été bouffé par la moutarde qui l'a stocké. Et ça part nulle part, c'est pas perdu, justement. Parce que et en maraîchage, c'est le même principe. Oui, bien sûr. Si, si, tu as des cultures comme ça qui vont te le capter dans le sol, c'est le but. Hein. Ça s'appelle les cipans. Voilà, c'est les pièges à nitrate, c'est les cultures pièges à nitrate. Ok, ok. Ouais, il faut que je regarde ça, comment ça fonctionne. Et selon les départements, nous, on est en zone vulnérable nitrate, c'est obligatoire en hiver, tout le monde doit mettre des cipans normalement. Donc, tu as de la moutarde et du radis. Donc, le radis, tu peux te le bouffer si ça t'amuse. Ou sinon, c'est le lapin qui en profite. Et la moutarde, c'est pour les nitrates. D'accord. Eh ben, j'ai du pain sur la planche. Tu vas t'amuser. Et n'oublie pas, selon les départements, tu n'as pas le droit de mettre la même fertilisation sur les sols. Par exemple, en France, je crois qu'on est limité à 250 unités azote. Et dans les zones vulnérables, comme en Alsace ou en Bretagne, parce que nous, on a la nappe phréatique, ce n'est pas qu'on est pollué comme la Bretagne, mais nous, on a la nappe rhénane, qui est la plus grande nappe d'eau potable d'Europe. Donc, vu qu'elle affleure à certains endroits, on est limité aussi pour éviter de la pollution de la nappe. Pour nous, les zones vulnérables, on est limité, je crois, à 120 unités totales. Et je crois que c'est limité à 70 unités si ça vient des animaux. D'accord. Voilà, on n'a pas le droit et selon là où est ta ferme, il faut que tu vois quelle est sa législation par rapport aux épandages. Ok. Parce que tu as des calendriers d'épandage qui sont aussi différents selon les régions. Tu n'as pas le droit d'épandre où quand tu veux, n'importe quand. Tu as des mois où c'est autorisé, des mois où c'est. Tu appelles ça les unités azotées, hein? Oui, des unités d'azote, oui. Ouais. Bon, alors, ça veut dire qu'il faut un bilan azote. Oui, mais ça, c'est obligatoire. Donc, ils doivent en avoir. Ton plan prévisionnel de fumure est obligatoire pour toutes les exploitations en France. Tous les ans, il doit marquer normalement tout son fumier et tout son lisier sur quelle parcelle ça va, à quelle dose et quelles seront après la céréale qui va dessus et quels sont les rendements prévus pour sa céréale. Ah, je vois. Mais okay, ça, c'est obligatoire en France, normalement. Donc, il faut...
commences par ça, logiquement. À et part s'il n'est pas aux règles et qu'il n'a rien fait, ça arrive aussi. Si, je pense. Mais comme je n'ai pas encore commencé mon stage, je n'ai pas encore tous les documents. Voilà. Et donc, ça, c'est par rapport à des analyses, parce que ton fumier et ton lisier, il faut le faire analyser pour savoir combien, justement, il a d'unité d'azote, de potassium, magnésium, parce qu'il y a tout qui est intéressant. Hein. OK. OK, OK. Ben, je vais déjà contacter des labos pour avoir des devis pour les analyses, pour voir les budgets, parce que je ne connais pas les prix. Mais normalement, ça, c'est obligatoire aussi. Tu dois analyser tous les 5 ans tous tes fumiers et lisiers. Donc, lui, ta ferme, normalement, a déjà des analyses. Oui, il m'en a envoyé quelques-unes, mais je ne sais pas encore les lire. J'attends de recevoir mes livres. C'est pas facile. Après, selon ses terres, s'ils sont basiques ou acides, il met peut-être aussi de la chaux. Est-ce que tu peux chauder? Ils ont un sol limoneux argileux. Oh, ça, c'est argileux limoneux. C'est du sol lourd, c'est plutôt bon. Ouais. C'était pas trop acide leur sol. Non, c'est bon, ça normalement. On peut faire des choses qui vont en profondeur. Ouais. Ok. Bon, je vois qu'il est 10h30 du soir, on a beaucoup parlé, c'était hyper intéressant. Non, mais il n'y a pas de souci, tu sais, comme dit. Moi j'ai l'habitude de discuter et d'aider parce que l'agriculture, c'est vaste déjà. Ouais. Toi, on va dire, vu que tu ne viens pas d'un milieu agricole, tu pars de zéro. Ah là, je découvre la vie, là. C'est tellement d'informations. Trop d'informations. Ah, il n'y en a jamais trop. Il faut juste les mettre au fur et à mesure dans son cerveau. Voilà. Et après, pour tes examens, bon, tu seras sur Dijon, j'ai cru comprendre. Après, c'est en distanciel, les cours. Donc, je ne pense pas aller des masses en présentiel à Dijon, sauf s'il y a une session ou deux de regroupement. Le reste du temps, c'est en distanciel. C'est juste le stage pro qui est en présentiel. Ah, c'est stage pour c'est formation pour adultes, non? Oui, c'est pour les plus de 35 ans. Moi, je ne suis pas étudiante, là, je suis vraiment en formation adulte. Ouais. Voilà, c'est ça, formation adulte. Ouais, tu verras. Au moins, tu te sentiras peut-être moins. Parce que quand tu es en tant qu'étudiante, hein, c'est que presque des fils d'eux. Donc, ils savent déjà pas mal de choses. Et il y a une autre mentalité que je pense que. Bah là, comme c'est en Île-de-France, c'est vrai que l'exploitation sur laquelle je vais, c'est pas vraiment des fils d'agriculteurs. C'est des personnes qui ou bien ont déjà fait des reconversions ou qui se sont installées de manière groupée en mode coopérative. Donc, c'est pas vraiment une entreprise familiale sur laquelle je vais, là, tu vois. Donc, ils sont dans une démarche d'accueil. Après, n'oublie pas, c'est l'Île-de-France. Si tu veux un jour t'installer dans une autre région, l'Île-de-France, tu peux un peu te lancer dans tout parce que t'as Paris. Tu peux tout vendre à Paris parce que Paris, ce que j'ai compris, t'as rien du tout. Donc, le moindre potiron qui est à peu près joli, tu l'arraches à prix d'or, quoi. Ah ouais, et puis même, j'ai remarqué que les fermes en Île-de-France, il y a beaucoup de gens qui veulent aller les visiter. Donc, ils font même du gîte et tout. Laisse tomber, truc de ouf. Et ils font payer la visite, quoi. Ouais, ils font payer la visite 10 euros. Les gens, ils sont trop contents. Ah, nous, c'est gratuit, quoi, tu vois. Ah ouais, non, mais la ferme à Saint-Denis, à côté de chez moi, tu payes 10 euros, les gens, ils se l'arrachent l'entrée. Hein. Tous les week-ends, les gens, ils payent 10 euros, j'ai halluciné, quoi. Pour visiter 3 lapins et des choux. C'est dur, la vie, quoi. Nous, tu vois, tu veux t'installer en Île-de-France, il faudra faire ça, surtout attention pour ton installation future. C'est dans quoi tu veux te lancer, parce que si tu es, comme dit, l'Île-de-France est très spécifique, parce que tu n'as pas besoin de faire quelque chose de rentable. Tu arriveras de toute façon de le vendre sur Paris parce que Paris, c'est combien 20 millions de personnes agglutinées dans la couronne. Voilà, donc tu pourrais faire de la merde ou quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin que ce soit rentable ou tu n'as pas besoin de faire bien ton boulot, on va dire, d'une certaine manière. Si tu vas en région, sache que déjà, tu auras plus de place. Tu n'auras pas obligatoirement 25 millions de personnes qui sont prêtes à s'arracher la pauvre production locale que tu vas faire. Et donc, ça demandera plus de techniques. Et on va dire, par exemple, si tu t'amuses à faire du safran, on va dire, c'est plus facile avec les restos étoilés parisiens pour le refourguer qu'au plein milieu de la Creuse. Par contre, les prix des terres parisiennes, ce n'est pas les mêmes qu'au niveau de la Creuse, quoi. Ouais, c'est clair. J'avais réfléchi à faire de la forte valeur ajoutée pour fournir les restaurateurs parisiens et... Avant de me faire une idée, je vais d'abord faire le tour des stages et des exploitations pour avant de faire des choix.
Voilà, et pour faire ça, surtout, il faut que tu sois déjà au top niveau parce que eux, ils ont déjà leurs fournisseurs. Donc, il faut que tu arrives à buter leurs fournisseurs. Et souvent, les restaurants étoilés, les fermes, ils les sélectionnent. C'est sur des générations quasiment. Ça doit Ah. vraiment. On va dire une petite ferme qui se lance. Je pense qu'un resto étoilé, à part, comme dit, tu fais du coquelicot ou des choses vraiment très, très, très spécifiques, de la truffe. Le resto étoilé, ils préfèrent aller chercher des éleveurs de vaches allaitantes qui, depuis 5 générations, sont sur le même terroir, avec la vieille ferme qui est en train de s'effondrer, qui fait bien bucolique, plutôt que quelqu'un Qui débarque, qui a qui pas de dé... Ouais, c'est passif. à peu près ça. T'as l'histoire derrière pour les étoilés. Souvent, Le storytelling, le fameux. voilà, c'est ça. C'est plus compliqué d'aller dégommer un concurrent. D'une certaine manière, qui est déjà implanté depuis des années. À part s'il a fait de la grosse merde, mais il y a tellement de personnes qui veulent fournir. Ou alors, faut reprendre un qui part à la retraite, comme tu disais. Oui, c'est ça qui est le plus simple, de toute façon. Ça te permet, un, d'avoir souvent pas cher, surtout, c'est une manière pour beaucoup de donner leur ferme sans frais de succession trop importants. Ouais, Parce je vois. que, par exemple, si tu veux donner une succession de ferme, si tu le fais à la fin, tout vient en une fois, et que ce soit le retraité qui doit payer sur sa dernière année de la MSA à plus savoir quoi en faire, et toi qui dois payer aussi impôts et tout. Alors que si tu t'installes 5 ans, pendant 5 ans avant sa retraite, il faut qu'il y ait 5 ans minimum, c'est une question de part sociale, donc ça peut être beaucoup plus plafonné, c'est pas considéré comme une succession ou un changement ou un repreneur. Vu que vous êtes à deux, c'est juste un qui sort du GAEC. Toi, tu étais déjà là. Donc, c'est pas un repreneur, c'est juste la continuité. Ouais, je comprends. Ok. Bon à savoir. Et comme dit, vu que ceux qui sont déjà installés, tu apprendras sur le tas. Ce que tu apprends en cours, c'est tellement basique, tu verras, ça ne te servira presque rien. Ça te permettra d'avoir les grandes lignes. Mais vraiment, ce que tu apprendras sur ta ferme, sur là où tu tireras, ça aura rien du tout à voir avec ce que tu vois en cours, parce que c'est tellement spécifique, il y a tellement de manières de produire, il y a tellement de sols différents, de petits microclimats, que, comme dit, c'est générique ce qu'on dira en cours. On dira, voilà, il faut labourer à telle semaine, mais on va dire, tu laboures avec parfois un mois d'écart entre le nord et le sud. Tu verras, c'est vraiment l'expérience de celui après qui tu iras, c'est ça qui va vraiment te changer, parce qu'il y a toujours des petits trucs et astuces sur les bêtes, sur le sol. Tu verras, c'est vraiment ça qui va être très enrichissant. Ça va être ouais, l'expérience que tu auras. Ok, et eh ben c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai bien pris Alors, n'hésite pas note. à visiter même des fermes quand tu as l'occasion. Même si tu ne connais pas, tu demandes si tu peux discuter, visiter, et tu apprends toujours plein de choses. Moi, j'ai appris à utiliser un scalpel dans l'exploitation de cochons. Et certains traitements, j'ai appris en cochon, quoi. Et vu que, on va dire, je suis celle qui a presque le plus travaillé en cochon, ce qui fait que ici, dans le secteur, j'ai dû faire des vaccinations de porcelets chez une collègue. Voire j'ai dû essayer de soigner chez un autre collègue qui avait deux cochons pour lui pour autoconsommation, mais ils n'étaient pas malades, ces trucs. Elle ne mangeait pas, il m'a appelé. Oui, elle a de la chaleur, elle ne mange pas, je fais quoi? En fait, elle était juste en chaleur, sa truie. Et on va dire, pour du lard fermier, tu n'as pas le droit d'abattre une truie qui est en chaleur. Ah, ouais, ok, Parce d'accord. que la chaleur fait en sorte que ton lard, quand tu vas le fumer, tu le fais de manière paysanne, et ben, il va tourner. C'est-à-dire, il ne peut pas fumer, il tourne et c'est comme de la viande qui tourne, ça pourrit. Ah ouais? Ah, faut le Oui. savoir, hein. Ok. Oui. Et vu que tu prends surtout en lard fermier des femelles, parce que les femelles, sur les tranches de lard, je ne parle pas du lard de jambon, je parle du lard de côte, tu as toujours un trait rouge, un trait blanc, un trait rouge, un trait blanc. Ouais. Et bien, sur les mâles, tu as deux traits rouges, sur les femelles, tu en as trois. Ah bon?
bah, je me coucherai moins bête ce soir. Voilà, écoute. C'est des petites conneries comme ça et tu, tu apprends ça sur le tas, quoi. C'est des petites anecdotes qui marchent ou qui ne marchent pas. Par exemple, moi, avant, ma mère, quand elle était, elle, pour les veaux qui avaient la diarrhée, on utilisait un réhydratant du commerce. Maintenant, le réhydratant du commerce coûtait une blinde. Maintenant, non, les veaux, ils sont à l'argile, à l'eau et au sucre. Et au sel, ça suffit. Ouais, et ça te permet de sauver des veaux, quoi. Et ça coûte beaucoup moins cher. Et des choses comme ça, quoi. Des petits trucs. Ok, ok. Ouais, mais... Non, il n'y a pas de... Eh ben, écoute, je crois que là, j'ai suffisamment d'infos à cogiter avec tout ce que tu m'as dit pour l'année, là. Non, mais t'en fais pas, demain, t'auras déjà oublié la moitié. Et pourquoi tu crois que j'ai enregistré? Comme ça, je vais me le repasser et je vais prendre des notes demain. Non, mais si t'as d'autres questions, t'hésite pas. Comme dit, moi, ça me gêne pas que ce soit par webcam ou Messenger sur Facebook. Moi, je reste ouvert, je peux discuter de tout. Il n'y a pas de souci. Si t'as même des questions plus techniques, il n'y a pas de problème. Ah, super. Bah peut-être je vais te solliciter quand je serai en train de me prendre la tête avec les doses pour l'amendement. Je te poserai deux, trois questions si je fais n'importe quoi. Bah déjà demande-moi le point de fumure, le prévisionnel de point de fumure. Ça t'aidera déjà pas mal et ça te permet de savoir déjà ce qu'il a en quantité produit. Parce que vu que ça doit être écrit sur le point de fumure, les quintaux ou les tonnes produits par hectare, ça te permet déjà de savoir. Et donc, je leur demande le prévisionnel de... Le plan prévisionnel de fumure. De ? De fumure. De fumure. Ah, je ne connaissais pas ce mot. Ok. Fumure, c'est le fait de fertiliser. D'accord. Ah, je n'ai pas encore tout le vocabulaire, c'est pour ça. Okay. Et après, tu sais, comme dit les chambres d'agriculture, ils ont des comparatifs ou des moyennes régionales. D'accord. Donc, ça te permettra de voir comment se situe ton exploitation par rapport à d'autres. Ok. Bon, bah, j'ai du taf. Je fais bien de commencer maintenant plutôt qu'en septembre, alors. Ouais, bah ça... t'en fais pas pour un BTS. C'est pas trop difficile de faire le rapport de stage. C'est assez soft. Ok. Bon, bah, j'espère c'est que ça va bien. Page, hein. C'est mignon. Ça, attends, maintenant, maintenant, c'est pas plus que 20 pages. Ça a changé. Maintenant, c'est 20 pages, annexe compris. Je ne sais même pas comment je vais faire pour tout fourrer dans 20 pages. Ouais, je vais devoir synthétiser vachement. C'est ça. Ouais, ok. Annexe compris. Nous, c'était 50 à l'époque. Ouais, mais ça a changé. Tu sais, maintenant, les correcteurs, ils ont la flemme de lire. Alors, ils me ont dit 20 pages sous forme de schéma et de tableau. Hein. Je ne dois pas faire des romans. Hein. Donc, voilà. Ouais, ça change. Ok. Oui. Bon, bah écoute, je ne vais pas te déranger plus. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour ta disponibilité. Je sais que tu as beaucoup de travail. Et bonne chance, je crois que tu veux faire une genre de ruche, non, avec des amis, à ce que Jérôme m'a dit. En fait, je voudrais créer une petite ferme qui peut aussi faire un peu d'accueil et qu'on commence petit avec plusieurs personnes dans un endroit qu'on peut reprendre effectivement, un petit bail parce que au cas où tu vois si finalement on veut changer d'endroit, on sait jamais parce qu'on sait pas trop où est-ce qu'on veut se mettre, donc on prend peut-être une petite location pour voir comment ça se passe et puis petit à petit faire progressivement, tu vois, plutôt que d'acheter un truc 30 hectares d'un coup à 4 parce que c'est de l'investissement quand même, donc on va commencer tranquille. Bah, de toute façon, les hectares, souvent, c'est ça, tu n'achètes pas avec, tu prends le bail. Ouais. Donc, on va dire, tu prends le cours de ferme et tu prends les baux qui vont avec. Donc, ouais, ouais. En terrain, c'est très rare que tu achètes. Ouais. Bon, bah, on va essayer de faire ça et puis on va voir ce que ça donne. Moi, je pense que la difficulté, c'est plus de la bonne entente avec toutes les personnes, qu'on ait la même vision projet, la même énergie, etc. Ouais. Plus que trouver le bon terrain, parce qu'en fait, en France, tu as quand même pas mal de reprises avec les retraites qui arrivent. J'ai l'impression que les annonces, elles commencent à être de plus en plus présentes. C'était quoi? C'est
Je crois 40% des agriculteurs seront à l'âge de la retraite dans les 10 prochaines années. Ouais, voilà, donc dans les 10 ans qui vont arriver, ça va être le florilège de propositions. Mais bon, on va peut-être acheter avant 10 ans quand même. Enfin, ou en tout cas, reprendre un petit bail. Ou alors on fait un bail de 10 ans et après on voit pour acheter dans 10 ans. Je sais pas. En tout cas, c'est à voir en fonction des opportunités. Tu reprends un hameau entier, tu sais, des hameaux paumés que en plein milieu de la France, où ils ne savent pas Ah ouais, quoi c'est faire, une dizaine possible. de maisons avec ton À boulanger, retaper. Ouais, timonier. on a pensé, mais il faudrait beaucoup de gens quand même, parce que là, on n'est pas suffisamment. Il faudrait qu'on soit 20 ou 30 pour prendre un hameau complet, parce qu'il faut tout retaper quand même. Ça peut se faire, mais pour l'instant, c'est peut-être un peu ambitieux. On va commencer plus petit pour voir déjà si on s'en sort, tu vois. Oui, c'est déjà pas mal. Voilà. OK. Non, mais n'hésite pas à faire, comme dit, à partir, à aller vers les agriculteurs, même quand tu te promènes ou quoi que ce soit, de demander à discuter avec l'exploitant s'il a le temps de visiter. Et ça te permet toujours des petits trucs, parce que tout le monde a ses petits trucs et astuces, et tout est bon à prendre chez tout le monde. Donc, Ah ouais, c'est sûr. même les cultures un peu bizarres, comme dit le cochon, m'a aidé pour les vaches. Donc, Ah ouais, non, mais de toute façon, tout aide, c'est ça. clair. Ouais. Donc, Mais c'est n'hésite comme, pas. même moi, j'étais étonnée d'apprendre, parce qu'il y avait un éleveur d'ânes, il savait pas ce que c'était la terre de diatomée. Moi, je m'en sers pour les cafards chez moi, tu vois. Et je lui dis, ben, mets ça sur tes ânes, ils ont des parasites et tout. Ah bon, c'est quoi et tout? En fait, ils connaissaient pas. C'est super bien pour les parasites sur les animaux et t'as des agriculteurs, ils savent pas, ils s'en servent pas. Non, parce que nous, par exemple, moi, je ne connais pas non plus parce que je n'ai pas de parasites sur mes vaches. Ah Par contre, si j'ai de la teigne ou des choses comme ça, je leur mets de l'huile de vidange. ouais. De l'huile de vidange? Ouais, de l'huile de voiture, là, l'huile toute noire et dégueulasse. Tu badigeonnes avec ton petit. Ça, tu le fais aussi dans les cochons, ça, je m'en souviens. Et avec ton pinceau, tu les badigeonnes la tache, en fait, ça étouffe le champignon. Ah ouais, je pensais que c'était toxique, moi, de foutre ça sur la peau comme ça. Non, non, c'est si tu fous sur le champignon. Parce que la teigne, c'est un champignon. D'accord. Voilà. Ah ben, quelles Et pour astuces! la teigne, tu peux mettre du houx aussi. Tout le monde a du houx dans son exploitation qui est pendu souvent au plafond. Ah! Il y a des branches de houx, les fameuses branches. Ah, du hou! Ah, c'est vrai que j'en ai Oui. vu, je savais pas pourquoi ils mettaient ça. Ben, en fait, c'est de la coutume. Tu fais ça contre la teigne, contre des parasites. Tu t'amuses à couper du houx et tu le suspends au plafond. Eh ben, plein d'astuces. C'est Voilà. bon ça. Oui, nous, on traite plus contre les mouches parce qu'on a des on a on est devenu hôtel à hirondelles et à chauves-souris. Donc, tu vois. Ah, vous avez fait des hôtels pour les hirondelles et les chauves-souris? Même pas, il y en a tellement dans la commune, mais vu que on va dire on est le seul endroit où ils viennent croûter, donc on a 200 hirondelles quand c'est la période en plein dans. Ce qui fait que parfois tu t'en manges, tu te promènes dans le troupeau, tu te manges une hirondelle qui a mal loupé, qui a Ah mal négocié ouais, ses vols. vous êtes devenu le centre gastronomique des hirondelles avec les Ça, vaches. c'est ça. Mais oui, Ok. mais c'est ça. Tu sais, on a des hérissons, on a des hirondelles, on a des chouettes chevêches. On a eu pendant 8 ans un couple de chouettes chevêches qui a fait des petits tous les ans dans l'atelier. Ce qui fait que quand ils loupaient leur décollage, souvent on en retrouvait dans les pots, dans les seaux ou dans de l'huile de cambouis parce qu'ils étaient sur l'atelier. Donc on devait appeler la LPO qui devait les récupérer, qui les Ah ouais. déloutait dans le centre et qui les relâchait, quoi. Ah d'accord. Alors Eh ils ben, ont. quel écosystème! Mais oui, ils ont fait un joli nid exprès chouette chevêche, mais les chouettes chevêches, ils n'en avaient rien à foutre du nid, ils continuaient à rester au-dessus. Et ils étaient où? Ils créchaient au-dessus de l'endroit où on met les produits phyto dans l'automoteur. Ah oui, effectivement, c'était pas super adapté Ouais, à mais leur pour couper, lieu. ils étaient bien là. Pendant 10 ans, elle est morte de vieillesse, mais il y a eu 3 petits tous les 10 ans. Et ce qui fait que la LPO râlait parce qu'ils n'arrivaient pas à les choper, parce qu'ils n'étaient pas dans le nid spécial qu'ils avaient installé. Tout joli, tout beau, spécial chouette chevêche pour les choper quoi, avec la caméra. On a eu Eh aussi des faucons cresserelles, on a plein de choses chez nous. ouais. Ah, intéressant. Même des cigognes, quoi. Cool. Bon, bah écoute, je vais te libérer. Ouais, bah oui. De toute façon, j'ai Et bientôt de batterie sur l'ordinateur, donc je. ouais. Bon, en tout cas, encore une fois, mille merci pour toutes ces informations, toute ta gentillesse et le temps que tu as consacré. Normal, hein, c'est. Et je te tiendrai au Pour courant de encourager mes les petits aventures. jeunes qui veulent s'y lancer, quoi. Ah, bah, c'est gentil. Bah écoute, je te donnerai des nouvelles et puis je viendrai en prendre aussi.
il n'y a pas de souci. Si tu as, comme dit, si à un moment tu as une question ou un truc technique, tu me dis, moi je peux trouver les réponses, hein. Que ce soit de ma part ou des autres, des collègues. Hein. Ok, bah top. Bah, merci beaucoup. Et puis, bah, je te souhaite une bonne soirée. Et puis, à bientôt pour de prochaines aventures. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao.